Ce soir, donc, c'est la troisième et dernière table ronde liée à l'exposition Ville et Santé, un paradoxe, et liée aussi à la sortie du livre, donc Vivre la ville, que nous présentera tout à l'heure Jean-Pierre Le Dantec. Il va faire un petit exposé sur le livre assez court, donc, comme il fait actuellement. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, donc nous avons. Je pensais que ce serait agréable que nous ayons un petit concert d'un petit quart d'heure avant le débat pour nous détendre. Et puis, après le débat également, un petit quart d'heure pour nous remettre au débat. Voilà. Le débat aujourd'hui, donc, nous avons trois participants de qualité. Richard Scoffier, architecte, enseignant et critique d'architecture bien connu. Pour l'architecture, donc, pour la santé, nous avons Jules Berru, qui est le président du Gérontopole des Pays de Loire. Et pour l'environnement, nous avons Jean-Philippe Siblet, le directeur du département biodiversité du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc ça va faire un débat très vivant, animé par notre ami Laurent Pérusa, associé à IA. Voilà, quelque part est-ce que... Toujours, nous avons nos deux hommes de synthèse, qui sont Christian Père, et donc l'ancien président de l'innovation FHF Innovation, et Martin Mingo, philosophe, qui n'est pas encore arrivé, il est retenu par le jury de ses élèves, mais il va arriver, je pense qu'il arrivera pour la synthèse, et puis il va improviser comme ça. Je vous propose donc de commencer par la musique, et je vous présente donc Aura et Louis, qui vont présenter ce que vous avez là. Bonsoir. Une petite intervention musicale que nous allons proposer ce soir est composée de musique baroque espagnole, principalement 17e, mais aussi 18e siècle, fin 17e, début 18e siècle. Et donc dans le premier set, que nous allons jouer tout de suite, ce sont trois pièces à voix seule donc de Juan Hidalgo, compositeur très important de la deuxième moitié du XVIIe siècle en Espagne, également harpiste. Les deux premières sont des pièces sacrées mais non liturgiques, c'est pour ça qu'elles sont en espagnol. Et ces deux-là sont... en l'honneur de Nuestra Señora, c'est-à-dire la Vierge Marie. La troisième est un solo humano, au contraire des tonos divinos, tono humano, tono divino, se réfère donc aux pièces sacrées. Et donc là, la troisième pièce sera un tono humano sur l'amour, sur un personnage qui se moque de l'amour et des amours. Et intercalé, il y aura une petite pièce instrumentale, une toccata de Pablo Nassar, qui est un musicien du XVIIIe siècle en Espagne,
et qui est un théoricien très important, qui a fait un des traités les plus importants sur la musique et aussi sur l'organologie. Cette harpe espagnole est décrite dans toutes ses proportions mathématiques et de taille et de mesure dans son traité. Donc, c'est une harpe baroque espagnole qu'on appelle harpa de dos órdenes, car elle a deux rangées de cordes qui sont croisées à peu près aux deux tiers. C'est une harpe chromatique qui a la même fonction, les mêmes notes qu'un orgue au XVIIe siècle en Espagne. Thank you.
Faust. Donc, Jean-Pierre, tu nous présentes un petit peu le livre de Bien vivre la vie, et puis on va passer à un cours. C'est toujours difficile, après les musiques aussi belles, de prendre la parole, de revenir, si on peut dire, sur terre. Ce soir, c'est la troisième table ronde qui est destinée, qui a été organisée pour le lancement, si je puis dire, d'un ouvrage qui a été patronné par et financé par la fondation AIA, avec évidemment des jeunes chercheurs. Donc, et avec Jean-François et moi-même un peu en serfie. Cet ouvrage, à mon avis, ouvre des portes assez intéressantes sur la question de l'urbanisme et la question de l'architecture en relation avec les problèmes de santé. Pourquoi ? Parce que il montre au passage combien les crises sanitaires qui ont été qui ont fait des dégâts violents au XIXe siècle, par exemple, comme la crise liée au choléra, a amené une prise de conscience et a amené des transformations dans l'urbanisme, en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle, et dans l'architecture. Ce n'est pas un point de vue qui est tellement répandu. J'ai enseigné, architecte d'urbanisme, mais j'ai enseigné ingénieur, j'ai enseigné l'histoire de l'architecture et de la ville. Eh bien, ce n'est pas une thèse tellement répandue encore parmi les historiens d'insister sur le fait que, eh bien, les questions de santé et la manière dont elles ont été traitées a servi de moteur à des transformations urbaines et des transformations architecturales. La deuxième évidence, c'est quand le choléra se trouve à peu près jugulé, eh bien, la seconde maladie qui vient immédiatement, c'est la phtisie, la tuberculose, et qui va elle aussi provoquer des réactions dans l'ordre de l'urbanisme et de l'architecture, avec d'une part la charte d'Athènes, bien connue, la manière de penser la lumière, la pénétration dans les logements, etc. Mais même, et c'est quelque chose là encore que je n'avais pas pensé, enfin que je n'avais pas trouvé dans des ouvrages jusque-là, c'est que même créer une sorte de modèle architectural de la modernité, des mouvements modernes, à partir du sanatorium, qui est en quelque sorte une sorte d'archétype de l'architecture blanche du mouvement moderne. Et cela, donc, c'est juste pour ouvrir quelques portes dans la question qui est abordée dans cet ouvrage et qui, évidemment, se poursuit vers notre époque en prenant en exergue un certain nombre d'exemples, urbanistiques, soit urbains, soit architecturaux, mais étant entendu qu'évidemment, il y a un rapport complexe, mais quand même très important, entre les questions urbaines, la manière dont on les règle, et l'architecture. Alors on arrive aujourd'hui face à des questions nouvelles, qui sont celles des maladies vasculaires et celles des maladies liées aussi aux pollutions atmosphériques. Et il y a à penser cette nouvelle donne, qui est une situation sérieuse à laquelle les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, comme la plupart de ceux qui sont ici, se trouvent confrontés et ont à trouver des solutions qui seront vraisemblablement provisoires, parce que bon, le monde évolue en permanence, et c'est très bien ainsi, d'ailleurs, selon moi.
Hein, bon, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a une... qui poserait le truc, l'idée, l'ancienne, qu'on entend un peu trop souvent, à mon avis, autrefois c'était mieux. Hein, ça n'est pas mon point de vue. Et je pense que les architectes, ingénieurs, urbanistes et personnes qui travaillent dans le domaine de la santé directement, eh bien, eux aussi, eux ne raisonnent pas de cette manière. Ainsi donc, voilà ce que j'avais à dire. On va passer maintenant à la table ronde avec les questions vraisemblablement plus contemporaines hein, que celles que j'ai évoquées à partir de l'ouvrage, même si cet ouvrage commence aussi à réfléchir des questions tout à fait contemporaines, des exemples, et à donner des exemples tout à fait contemporains. Donc voilà, il faut maintenant passer à la table ronde et je laisse la parole à son animateur. Cette mission d'animer cette table ronde autour des thèmes de l'architecture, puisque les deux semaines précédentes, on s'est attaché aux questions de santé et d'environnement. Donc les thèmes de l'architecture, il est évident que je suis parti d'un sujet qui avait été travaillé notamment sur le vélo, qui était évoqué en cadre d'Antec, qui était le paradoxe, qui est simplement le fait qu'aujourd'hui, on mourrait plus âgé en ville, on vieillissait plus longtemps en ville. Alors ça, c'est une question importante, la question de la densité, savoir qu'on peut vieillir mieux en ville, savoir pourquoi on vieillit mieux en ville. Quelqu'un avait dit la semaine dernière que c'était principalement lié au fait que les gens avaient aujourd'hui été maintenus en ville à cause des psychotropes, et donc parce que évidemment ils trouvaient en ville l'environnement et les bâtiments de santé qui étaient en capacité à les faire survivre d'une certaine manière. Mais je me suis posé évidemment la question de la densité des villes, et surtout je suis reparti de grandes théories que rappelait Jean-Pierre. C'est vrai que lorsqu'on regarde et qu'on lit le livre premier de Vitruve, on voit bien qu'il y a une attention particulière de Vitruve qui est faite, Vitruve fait un certain nombre de recommandations. Vitruve, c'est donc un théoricien du premier siècle après Jésus-Christ, qui a écrit le premier traité connu d'architecture, et qui, dans son livre premier, énumérer un certain nombre de recommandations liées à l'architecture, à la fondation d'une architecture dans un contexte particulier. Et parmi elles, évidemment, retrouver la question de la santé, évidemment du rapport à l'environnement, mais aussi la question de la santé. Et donc l'architecte devait avoir un certain nombre de notions de médecine, un élément important, mais il y avait un rapport direct de l'architecture avec son environnement. Lorsqu'on passe les âges et lorsqu'on se projette, comme Jean-Pierre le disait remarquer tout à l'heure, à l'époque de, à l'époque d'Haussmann, il est évident que les grandes crises sanitaires, c'est vrai, ont été à l'origine des grandes théories d'architecture. À l'époque d'Haussmann, ça a été une révolution sur Paris, mais à l'époque, un peu plus tard, de Le Corbusier, en effet, avec la ville radieuse, les principales problématiques de Le Corbusier étaient évidemment la santé de l'homme et la manière dont l'homme pouvait s'épanouir dans les grandes villes. Il faut songer qu'à l'époque de la ville radieuse, il y avait 800 habitants à l'hectare à Paris, et qu'avec la ville radieuse, l'ambition de Le Corbusier était de passer à 1000 habitants à l'hectare. Et 1000 habitants à l'hectare, en trouvant et en offrant ce que Le Corbusier proposait au travers de la Charte d'Athènes et des CIAM, donc un aménagement qui permette à l'homme de s'épanouir entre nature, environnement et espace bâti. Et aujourd'hui, il faut songer qu'à Paris, on est à 500 habitants à l'hectare. Et pourtant, on a des problèmes de densité qui sont toujours prégnants. Et les questions qui étaient posées par la Charte d'Athènes, qui ont donné des réponses très fonctionnalistes, qui ont été écartées et dans lesquelles l'homme n'a pas su s'épanouir aujourd'hui. La première question, puisque c'est là qu'on parle d'architecture ce soir, moi je voudrais poser à Richard la question de savoir quels sont les invariants ou autres trucs qui, dans l'architecture, ont toujours été prégnants en termes de réflexion par les architectes, pour que l'homme puisse s'épanouir, trouve une forme de bien-être, parce que c'est vrai que l'architecte est toujours à la recherche, on connaît peu d'architectes qui construisent pour le mal des hommes. Je pense que s'il y a une génération, enfin une profession qui est assez attentive à l'homme et à l'être, à la manière dont l'être peut s'épanouir, c'est bien le sujet de l'architecture. Il faut être humble aussi quant à cette question, je pense que c'est un sujet suffisamment complexe. Mais quels sont les invariants
qui font que l'homme, ou en tous les cas, une architecture offre à l'homme une forme d'épanouissement et de santé et de bien-être. Oui, donc je suis très gêné parce que moi je suis pas du tout spécialiste de la santé, je suis pas du tout spécialiste de la santé, de l'architecture. Bon, c'est vrai qu'on va en reparler tout à l'heure, j'ai fait travailler les étudiants donc, sur ce thème cette année, mais en général, quand j'enseigne, je cherche à apprendre à mes étudiants ce que je ne sais pas. Donc je ne suis pas vraiment la personne pour répondre à la question. Mais par contre, c'est vrai que l'architecture, je l'ai toujours, disons, vu ou appréhendé comme une sorte de mécanisme, une orthèse, c'est-à-dire une sorte de machine qui se met autour des corps pour remédier à ces défaillances naturelles. Bon, c'est vrai que, vous voyez, l'homme, c'est quand même pratiquement l'animal qui est le plus, disons, soumis donc, au monde. Il n'a pas de défense, il n'a pas de carapace, il n'a pas de corne, vous voyez. Hein, et donc effectivement, le petit dinde, vous voyez, il naît donc totalement sans défense, il naît pratiquement avant terme. Hein, donc il faut absolument le protéger. Donc on voit très bien qu'il y a tout un mouvement de protection pour protéger l'enfant de l'homme, hein, qui est dont le corps est totalement dépendant. Et ça, c'est peut-être ce mouvement-là, le mouvement de la mère qui prend l'enfant dans ses bras, hein, qui est ce mouvement générateur, non seulement de l'architecture, mais effectivement de tout ce qui compose la société humaine. Quelque part, ce mouvement, hein, eh bien, il est fait pour protéger le corps, pour lui permettre de respirer, pour lui permettre d'évoluer. Et effectivement, l'architecture rentre complètement dans ce processus. Et c'est vrai que très souvent, donc, on l'oublie. Quoi. On pense que l'architecture comme, je ne sais pas quoi, une œuvre d'art, comme une construction, une structure. Mais avant tout, donc, elle est là pour protéger les corps. Et effectivement, donc, si on prend l'architecture de cette façon-là, c'est évident qu'on recouvre la santé. C'est évident qu'on voit très bien, tout à l'heure Jean-Pierre parlait des sanatoriums, c'est vrai que ce sont des architectures totalement fabuleuses, enfin à la fois totalement fabuleuses et puis aussi totalement inutiles, parce qu'en en fait, dans les sanatoriums, on ne se soignait pas, on mourait. Mais enfin, malgré tout, ce qui est très beau dans les sanatoriums, c'est vraiment le mythe, non seulement que l'architecture protège, mais qu'en plus elle soigne, en exposant donc des corps à la lumière. Donc en fait, effectivement, c'est plutôt la dimension de la médecine qui est une raison de la tuberculose. Et effectivement, aujourd'hui, toutes ces machines célibataires continuent donc à hérisser le territoire. On ne sait pas quoi en faire, mais c'est vrai qu'elles sont très belles comme ça. Et on en a récemment transformé ces machines en icône d'architecture. Bon, je pense que personnellement c'est une catastrophe. Mais voilà, au commencement, l'architecture, elle est là effectivement donc comme une prothèse pour protéger, pour soigner les corps, pour éviter de l'exposer aux intempéries, aux autres animaux, aux microbes. Et c'est vrai que peut-être c'est par là qu'il faut commencer, peut-être même avant Vitruve, avant Le Corbusier, avoir une réflexion un petit peu fondamentale donc, sur l'origine de l'architecture. Peut-être fantasmer une origine de l'architecture qui permet justement de la considérer déjà comme une machine à protéger, une machine à soigner, d'une manière un petit peu comme le montage que fait Rousseau quand il écrit dans ses livres, hein, c'est toujours une sorte de mythe pratiquement. Le mythe du sauvage chez Rousseau, c'était une sorte de mythe, je pense que c'est aussi important. Enfin, on peut très bien donc, faire la même chose dans l'architecture, penser que. Imaginez un mythe de l'homme qui construit pour protéger le corps de ses enfants, de sa famille. Imaginez ce mouvement-là qui après donc,
produit les écoles, produit les lycées, produit donc, toutes sortes de choses qui accompagnent l'individu pour lui permettre de progresser, et justement donc, tout en restant totalement protégé. Jean-Philippe Sidé, le terme d'habitat pour la biodiversité est un prénom pour notre programme. Y a-t-il un habitat particulier pour ces quel serait-il en tous les cas en ville et en milieu? Alors effectivement, pourquoi cette notion d'habitat? Ben parce que, enfin, habitat, et plus généralement peut-être écosystème, parce que, à mon avis, ça n'a pas de sens d'imaginer mettre, comme on le disait il y a 20 ans, la nature dans la ville. Maintenant, pour faire brancher, on parle de biodiversité, mais c'est quand même le même concept, si on s'intéresse uniquement au verdissement d'un bâtiment. Et si on n'a pas en tête ce qui se passe autour de bâtiment, les relations qu'on a avec son environnement. Et ce qui me paraît aussi très important, c'est que si on sépare l'architecture de l'urbanisme, c'est à mon avis fausse route, c'est-à-dire qu'on a vu un bâtiment, il s'insère aussi dans un écosystème urbain. Cet écosystème urbain, aujourd'hui, on sait qu'il a différentes fonctionnalités. La fonctionnalité de protection en est une, il est de rappeler, mais la fonctionnalité aussi d'aménité, et notamment d'aménité par rapport à la nature, est extrêmement importante, et notamment par rapport à la santé. Et on voit bien que le lien entre nature en ville, biodiversité, habitat, écosystème, et la façon dont les gens vivent dans cette ville, et la façon dont ils y vivent bien, est extrêmement importante. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un point aussi qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas oublier, c'est où commence la ville et où elle finit. Quelles sont les relations de la ville avec son environnement? Si je prends l'exemple de l'Île-de-France, on voit bien que le rêve de Paul de Louvrier, qui avait imaginé ce système de ville centrale avec une ceinture verte et puis des villes nouvelles autour, a été complètement dévoyé par un système qui fait qu'aujourd'hui, on a des pseudopodes urbains qui rejoignent toutes les villes nouvelles et qu'il faut qu'on a fabriqué des villes nouvelles aussi invivables que la ville centrale, qui d'ailleurs en son centre est probablement plus vivable que dans sa banlieue, parce que heureusement, des gens comme Haussmann avaient pensé qu'il fallait des poumons, les deux poumons parisiens, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a, encore une fois, pour prendre cet exemple parisien, tous les ingrédients qui permettraient d'avoir une ville très moderne, très moderne dans son fonctionnement, un peu à l'image de ce qui se passe à Berlin, par exemple, qui est une ville extrêmement verte, et qu'on a un peu oublié, et qu'on a oublié que tout ça fonctionnait en réseau. Par exemple, on a d'un côté Vincennes, d'un côté Boulogne, et on n'a pas imaginé qu'un jour il pouvait y avoir des dispositifs qui permettaient de relier les deux voies. On en parlait tout à l'heure en aparté, et on l'a vu de façon un peu dramatique avec les ponts, la Seine a donné un décor qui n'est plus du tout perçu comme un environnement naturel. Alors que par exemple, à Londres, la Tamise qui était polluée au dernier degré abrite actuellement des saumons. Voire même, encore il y a très peu de temps, on a vu arriver des dauphins jusque en pleine ville de Londres. Donc on voit bien qu'on a les éléments qui nous permettraient de raisonner en termes d'habitat, mais qu'on en est encore loin et qu'il y a encore beaucoup de travail pour tout ce qui concerne notamment, par exemple, la constitution de véritables trames vertes intra-urbaines, et puis, encore une fois, des relations de la ville avec son environnement proche. Et à un moment donné, on voit bien que ce que tout le monde dénonce, mais que personne n'arrive à arrêter, c'est-à-dire un déploiement urbain complètement débridé, est source de problèmes et de mal-être qui ont des conséquences évidentes pour la santé. On va juste signaler quand même qu'en matière de santé, on n'a pas très loin d'ici un exemple qui associe des vertus curatives avec la biodiversité et la nature, c'est l'hôpital psychiatrique de Villeneuve à Neuilly-sur-Marne, qui a été quand même un des hauts lieux des théories sur les soins apportés aux malades mentaux. Et en gros, ce qui a été trouvé, c'était que le site de la Haute-Ville, qui d'ailleurs aujourd'hui a été acquis par le département de Val-de-Marne pour en faire à nouveau un site naturel fréquenté, donc finalement il y a un retour de l'histoire, et bien était cultivé par les malades, parce qu'on pensait qu'à l'époque, le fait de mettre les malades dans les champs, leur faire cultiver la terre, avait des vertus thérapeutiques importantes. On a, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, oublié complètement ces vertus thérapeutiques. Aujourd'hui, on soigne les malades de façon différente, je ne sais pas si on les soigne de façon plus efficace. Enfin, il s'avère quand même que dans beaucoup de
de cailles similaires, y compris d'ailleurs pour les détenus, etc. On voit bien que le retour à la nature, et dans une nature qui n'est pas forcément et nécessairement idéalisée ou très éloignée du cœur des villes, est un moyen important de permettre aux gens d'aller mieux. Sur la question du vieillissement en ville, aujourd'hui, il y a des EHPAD qui organisent des jardins thérapeutiques. On reste quand même, pour le vieillissement, dans une organisation qui cherche à retrouver un rapport à la nature, y compris pour les personnes âgées. Mais c'est vrai que demain, si on songe que 30% de la population, enfin en 2050, 30% de la population habitera dans ces grandes villes, quel habitat, justement, quelle ressource pour les personnes âgées, pour cette population ? Si vous me permettez, je vais un peu déconstruire la question. Le raccourci vieillissement et pas de jardin, il faut qu'on... Oui, on détricote un peu. Non, on détricote un peu. Je pense que dans notre... dans ce qui est dit, il faut peut-être situer santé et maladie. Tout le monde le sait, mais peut-être... Bon, il faut se donner le glossaire, quoi. C'est-à-dire que la santé est un état d'équilibre qui est physique, psychique et social. La maladie est un aspect très particulier, et je dirais concis, de la santé. Alors c'est sûr que c'est un facteur qui va faire basculer la santé dans un état de non-santé. Mais le regard de la maladie ne doit pas être le tout de la santé, ni enfermer la réflexion de la santé. On prenait l'exemple des maladies avant l'arrivée des antibiotiques. Il y a un très bon exemple qui est le traitement du rhumatisme articulaire aigu, qui était dû à un streptocoque, mais aussi sensible à la pénicilline. Et on a pu montrer que 90% des guérisons, de la diminution dans la population du rhumatisme articulaire aigu, c'était entre 1850 et 1945. Et que la pénicilline n'a amélioré que de 5%. C'est-à-dire que la réduction la plus importante est due à la séparation des eaux usées et des eaux propres à la fin du 19e, les récipients du préfet poubelle et une sorte d'hygiénisme qui s'était instauré, plus une amélioration des conditions de vie et d'accès à la culture et à l'écriture. Et c'est tout cela qui fait la santé et qui fait l'espérance de vie. Mais la maladie est une sorte de d'îlot qui est parfois déconnecté. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas l'espérance de vie en traitant la maladie. Ceci est vrai pour un individu qui, malade, serait mort et guéri, vivrait. Mais à l'échelle d'une population, ce n'est pas par la médecine qu'on augmente l'espérance de vie, c'est par les conditions de vie. Pourquoi une personne âgée en ville vit plus longtemps ? C'est parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui ne sont pas médicaux, comme l'accès à la culture, comme l'accès à la prise de conscience de son corps, comme la prise de conscience de sa dignité, et donc du respect à soi-même et aux autres, comme aussi une meilleure information, une meilleure accessibilité, qui vont, et aussi, cette espèce de nécessité d'adaptation permanente à l'environnement que crée une ville. Pour une personne de 80 ans, prendre le métro et aller à une autre station, c'est une aventure qui va nécessiter une grande adaptabilité, nécessitant une bonne réserve fonctionnelle. Et c'est ceci qui va créer de l'espérance de vie au bout du compte. Avoir un antihypertenseur va éviter d'avoir un accident vasculaire cérébral et d'être dépendant, mais ne va pas tuer. Un accident vasculaire cérébral, s'il n'est pas hémorragique, il ne tue pas. Donc on voit bien qu'il faut raisonner en termes de santé, en architecture, en urbanisme. Je crois qu'on l'a déjà dit. Je pense qu'une architecture sans urbanisme... on n'est plus dans le champ de la santé, là. On est dans le champ d'autre chose, qui est l'autonomie fonctionnelle et l'adaptabilité. Et si on parle de santé, on parle évidemment d'une construction qui est intégrée dans un urbanisme. Ça va de soi, mais voilà. Je dirais que l'architecture est à l'urbanisme ce que la maladie est à la santé. Donc ça, c'était la première des constructions. La deuxième, c'est...
Le vieillissement de la population, alors il faut quand même se dire que ce n'est pas forcément le vieillissement au sens de déclin des performances, c'est prolongation de notre vie avec une autonomie fonctionnelle qui, dans la très grande majorité des cas, est bonne. Hein, ça permet de rappeler qu'il n'y a que 17% des gens de plus de 80 ans qui sont dépendants. Donc, le vieillissement de la population, ce n'est pas la dépendance, ce sont des gens qui sont autonomes, etc. Alors, la question de la vie en ville, avec l'âge, c'est la question de l'accessibilité aux services, peut-être plus que celle de l'urbanisme pour le grand âge. Par contre, ce qui est une question importante du vieillissement en ville, c'est lorsque 30% de la population est après le travail. Dans ce cas-là, il se crée de nouvelles relations intergénérationnelles et de nouvelles relations sociales. Bref rappel des épisodes précédents. Pour nous, la retraite officielle est à 62 ans, mais il faut avoir en tête qu'il n'y a que 32% des personnes en France qui travaillent après 55 ans. Donc on a une déconnexion complète entre l'âge de la retraite et l'âge du travail. Et qu'il y a c'est ce qu'on appelle l'employabilité. Le taux d'employabilité en Europe est de 41% après 55 ans et de 32% en France, 69% en Suède. Donc on voit bien que la relation au travail, les modes de travail, la nécessité d'une performance au travail, la vision que si on est au travail, c'est qu'on est rentable à temps plein, sinon on ne doit pas y être. Quand un plan social est fait, faire partir les gens en retraite anticipée pour que l'État paye leur vie pour pouvoir dégraisser, entre guillemets, le budget de l'entreprise, tout ça, ce sont des mécanismes qui font que aujourd'hui, la génération de l'après-guerre part après 55 ans dans une période de l'après-travail. Il peut y avoir dedans du travail à temps partiel, il peut y avoir l'engagement associatif, des mandats électifs, une activité sociale intense. Il peut y avoir évidemment un temps aussi de resserrement des liens familiaux, de services intrafamiliaux, de voisinage. Et donc, la ville avec 30% de la population qui est après l'âge du travail, c'est une ville où, eh bien, entre 10h et midi, la ville n'est pas déserte, puisque les gens ne sont pas au travail, la ville est vivante, il se passe des choses entre des étudiants, entre des personnes qui sont dans des zones de transition de leur vie, qu'elles soient géographiques, professionnelles ou affectives, et des personnes qui sont après le temps du travail. Et donc, au-delà du logement et de son adaptabilité aux déficiences fonctionnelles, il faut envisager la ville comme ce lieu de croisement et de rencontre, et que par la sécurisation des zones de déambulation à pied, imaginer la ville comme un ensemble d'unités dans lequel on peut vivre à pied et rencontrer les autres, permettre par la locomotion et par des espaces adaptés que les gens puissent se rencontrer et faire ensemble, créer progressivement à l'intérieur de cette ville les 16 espaces où notre société, pour la première fois, doit se poser sa question de l'appartenance, de son fonctionnement, de son emploi du temps, déconnecté du travail. Est-ce que, comme ça a été rappelé la semaine dernière, est-ce que l'espace public comme lieu de rencontre entre l'architecture et la cité devient un espace essentiel, justement, à la vie non seulement des personnes âgées, mais un lieu essentiel de lien social, constitue un vrai lien social. Et donc, de fait, générateur de santé de manière générale, dans le cas A, leur capacité à accueillir toute forme de vieillissement en ville. Sur le thème de l'habitat intergénérationnel, est-ce que vous avez des éléments à vous raconter? En ce moment, il y a pas mal d'expérimentations qui se font, où il y a des personnes, souvent des gens qui sont étudiants, ou des travailleurs précaires, ou des personnes qui sont en mission dans une autre ville, et donc ils ne veulent pas vraiment acheter ou se réinstaller, prennent des logements qui sont offerts à la location ouverts à la location par des personnes qui sont souvent âgées, voire très âgées, et il y a une modicité du loyer parce qu'il y a un service qui peut être demandé au locataire,
ce service pouvant être tout simplement une présence, ou ça peut être d'autres services qui ne sont pas des services d'ordre sanitaire, mais qui sont des sortes de petits services rendus de la vie quotidienne. Ceci existe pratiquement dans toutes les villes, il y a énormément d'associations qui sont montées, avec l'enthousiasme des choses innovantes et débutantes, avec une certaine immaturité de la réflexion qu'il va falloir dépasser. La principale cause d'immaturité est le cadre juridique de cet échange d'un service contre un loyer n'est absolument pas encadré. Donc tant qu'on est sur des militances qui se rencontrent et qu'il faut absolument que ça marche, ça marche. Mais au premier litige va se poser la question de, normalement quand on fait un service, c'est une rétribution, et donc ça rentre dans le champ d'un travail, et c'est soumis à TVA. Bon. Et donc là, on a quelque chose qui doit mûrir sur le plan juridique, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il va y avoir nécessité progressivement d'une certaine normalisation, parce qu'il y a des grandes difficultés qui existent et qui sont un peu mises, qui sont un peu tues. Et puis d'autre part, si on va plus loin, et si ce modèle-là, véritablement un modèle de rencontre à bénéfice gagnant-gagnant qu'il faut promouvoir, ça renvoie aussi à, dans l'architecture, est-ce que finalement l'appartement de demain ou les appartements d'un même palier doivent avoir une communication possible? Peut-être que le nombre de pièces doit être à géométrie variable selon les temps de la vie. Est-ce qu'il y a à réfléchir à cela? Ça peut être intergénérationnel, ça peut être aussi des personnes, je pense à beaucoup de célibataires qui, arrivés à l'âge de la retraite et même souvent 10 ans après, souhaitent faire un béguinage, une vie commune. Et c'est vrai que nos architectures qui sont très fondées sur la famille cellulaire des années 50, avec papa, maman, un garçon et une fille réunis pour la photo de promotion, c'est sûr que ça ne correspond plus beaucoup à notre manière de vivre la famille, de vivre aussi le lien. Et donc ça a probablement, à mon avis, un retentissement sur comment on conçoit les espaces de vie demain. Toutes les cultures ne réagissent pas de la même manière sur le sujet. Certaines prennent en compte justement le vieillissement et intègrent le vieillissement. Oui, alors ça, c'est un peu relatif. C'est un peu relatif. Je me souviens avoir, il y a 20 ans, fait une conférence au Vietnam sur les personnes âgées, les problèmes des maisons de retraite, etc. Et je m'étais fait vraiment honnir en disant, mais nous, le culte est des anciens, on respecte beaucoup les personnes âgées, etc., etc. Donc je me suis dit, je m'excuse, franchement, je suis un pauvre occidental. Puis je suis revenu 10 ans après, et vous pourriez nous reparler là des maisons de retraite? Parce que en fait, ce sont souvent les femmes qui travaillent, mais qui s'arrêtaient de travailler, et l'homme travaille moins souvent, et les femmes s'arrêtaient de travailler pour s'occuper de l'ancêtre qui était dépendant à domicile, donc il n'y a plus du tout d'argent à la maison, et on commençait à se poser des questions économiques, et de la relation entre l'équilibre budgétaire, la famille, le travail, et voilà. Donc je pense que, sans vouloir dévaloriser l'aspect culturel et je dirais le respect qu'on peut avoir aux générations qui sont plus forts dans les populations agraires, il ne faut pas non plus surévaluer ça comme quelque chose d'incontournable, parce que je crois que les conditions de vie économiques, l'évolution de la place de chacun dans la famille, la place des femmes, la place des enfants, la place des ados, la nouvelle place des hommes, fait que tout ça, ça bouge pas mal, et que je pense que les habitudes ancestrales issues du monde agraire volent en éclat assez vite dans l'urbanisation, etc. Jean-Philippe Sidé, la question de la fertilité de la ville, est-ce quelle forme de fertilité de la ville justement aujourd'hui? C'est fonction un petit peu de comment la ville a été bâtie, comment justement elle a été construite et où elle a été construite. Les villes ont une histoire, elles ne sont pas vécues pour Rome en un jour. Plus forte, cette fertilité est liée à la façon dont elle est bâtie et de surcroît à la fertilité qui existait avant que la ville ne soit construite.
Donc on voit bien que certaines villes, je parlais tout à l'heure de Berlin, c'est une ville qui est en fait une clairière dans une forêt, et qui par définition a potentiellement des enjeux de biodiversité. Mais la fertilité de la ville, elle se mesure à l'aune de l'endroit où elle a été bâtie. On ne peut pas dire qu'une ville qui va être bâtie, par exemple, au plein cœur d'une zone naturelle, en plein cœur d'une zone naturelle, va avoir la même fertilité qu'une ville qui va être construite dans des zones, qui va s'installer dans une zone déjà densément peuplée, avec des systèmes agraires intensifs, etc. Donc il y a clairement une dépendance. Ensuite, la façon dont la ville est construite joue évidemment à plein. Si on a pris en compte les continuités écologiques dont je parlais tout à l'heure, la plupart des grandes villes, en tout cas des capitales, se sont installées à proximité d'un cours d'eau, qui évidemment servait de déplacement, de voie de transport, etc. Si ce cours d'eau a été aussi pensé comme un espace naturel, ou a été en partie respecté comme un espace naturel, on va y trouver des richesses qu'on ne va pas trouver ailleurs. Par exemple, on pourrait citer en exemple la ville de Nantes, à l'intérieur de laquelle la rivière, le fleuve, a des espaces de liberté avec des berges naturelles qu'on ne trouve plus dans beaucoup d'autres villes. Ça, c'est un exemple. Voilà. On parle beaucoup, on en parlait aussi tout à l'heure en aparté, de reconquête des berges. On peut regretter, par exemple, que dans l'agglomération parisienne, la reconquête des berges se soit pensée uniquement de façon minérale, et pas non plus, de temps en temps, des zones où la rivière aurait pu s'épandre naturellement, notamment en période de crue, des espaces naturels qui auraient pu offrir des aménités. Je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur à l'instant à propos de la notion de maladie. En fait, qui déclare qu'on est malade? C'est-à-dire que concrètement, la maladie, ça peut développer des symptômes, on peut effectivement, objectivement, se sentir malade, mais en réalité, est-ce qu'on peut potentiellement être malade sans s'en rendre compte? Et est-ce que l'absence de nature dans une ville peut être un vecteur de maladie dont les gens ne se rendent pas compte, mais qui en fait développent tout un tas de syndromes, de stress, voilà. Et est-ce que, je me lance, mais c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis pas mal de temps, est-ce que finalement l'absence de nature dans la ville, ou l'insuffisance de la nature dans la ville, n'est pas à l'origine d'une forme de violence qu'on constate, c'est-à-dire que finalement, notamment parmi les populations jeunes, on voit qu'il y a une rupture très forte. Les gens ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas que avant la ville, avant le béton, avant le bitume, avant tout ce qu'ils constatent, il y avait une nature, qu'il y avait quelque chose qui préexistait. Ne se rappellent plus que le lait qu'ils boivent le matin, c'est pas simplement dans une brique en carton ou en plastique, mais ça vient du pis des vaches, et que on va bientôt arriver dans un système où voir une vache dans une ville ou à la périphérie d'une ville va devenir une attraction pratiquement aussi forte que celle d'aller aux zoos où on y voyait des éléphants, qu'on ne voit plus d'ailleurs, parce que c'est devenu has-been de mettre des éléphants. Je sais de quoi je parle, puisque le parc zoologique de Paris a été réouvert et qu'on n'y a pas mis d'éléphants, parce que pour tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, dans les zoos modernes, on ne met plus d'éléphants, parce que c'est, voilà, malheureusement, on constate un peu à nos dépens que les gens, ils avaient envie de voir des éléphants. Peut-être qu'il va falloir en remettre. En tout cas, la ville fertile, oui, ça peut exister. Ça peut exister, y compris, par exemple, en instaurant ce qui se développe de plus en plus, des systèmes de culture sur les toits, avec des systèmes de distribution en circuit court, qui peuvent permettre d'aller directement alimenter les habitants de l'immeuble. Les habitants cultivent eux-mêmes et puis ensuite soit consomment eux-mêmes ou soit vendent leurs produits aux bâtiments voisins. Mais la fertilité, c'est pas simplement une aménité, j'allais dire, par rapport aux fonctions essentielles de la nourriture. C'est aussi être capable d'avoir une ville qui vit avec un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, c'est des indicateurs végétaux. Est-ce que les végétaux qu'on observe sont en bonne santé? Est-ce que les animaux qu'on est susceptible de rencontrer dans une ville sont présents? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Et je prends assez souvent cette image qui me paraît assez parlante. Finalement, avoir des oiseaux, avoir des animaux, avoir des écosystèmes fonctionnels, c'est un peu comme lorsque les mineurs emmenaient des canaris
dans la mine pour détecter les coups de grisou. C'est-à-dire que quand on aura des villes où on aura plus de champs d'oiseaux et où les végétaux seront soit factices, soit dépérissants, on peut se dire que ça sera quand même un indicateur fort du fait que la ville va générer tout un tas de maladies, de souffrances et, j'allais dire aussi, de violences. Parce que ça a été, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, hein, entre les relations entre la nature, la biodiversité et la façon dont les humains se comportent, qui montrent sans aucun doute que la présence de la nature dans la ville a joué un caractère apaisant, facilite les relations. Hein, on parlait tout à l'heure des possibilités de se rencontrer. Combien de gens ont rencontré leurs compagnons en promenant leur chien et en entamant une discussion. Voilà, c'est parce qu'ils avaient un endroit pour le faire. C'est quand même plus facile de le faire dans un environnement naturel que dans un environnement très minéral où il y a beaucoup de bruit, etc. Donc, oui, cette fertilité, elle peut se mesurer. On sait aujourd'hui comment faire. Force est de constater, je termine juste là-dessus, c'est que aujourd'hui, un certain nombre d'écologues ont inventé un nouveau nom pour qualifier l'ère dans laquelle on est rentré, qui est le terme d'anthropocène, c'est-à-dire la capacité pour l'homme de modifier de façon quasi univoque son environnement. Et si les prévisions qui sont faites sont vraies, on va vers une érosion extrêmement importante de la biodiversité. Et il se peut qu'une partie de cette biodiversité, et c'est là où est tout le paradoxe, se retranche dans les villes, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, finalement il y a un certain nombre de choses qui protègent dans la ville et qui ne protègent pas à l'extérieur. Et ce qui a été dit sur le vieillissement, on peut le rencontrer chez les animaux. Vous savez probablement tous que les animaux vivent plus vieux, une espèce, quelle qu'elle soit, sauf qu'en particulier, vit plus vieux en captivité que dans la nature. Pour une raison très simple, c'est qu'en captivité, elle est protégée, on la nourrit, on la soigne, etc. Alors que dans la nature, elle est soumise à tout un tas de phénomènes. Voilà. Donc, est-ce que une des villes fertiles pourront être demain des refuges pour la biodiversité? Peut-être. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer sauver la planète uniquement en préservant la biodiversité dans les villes. Mais il y a quand même un point aussi qui a été fortement étudié, c'est que quand on prive les gens de nature, ils en perdent le goût. Donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer que si, alors on a parlé tout à l'heure, je crois que c'est vous qui le disiez, 30% des gens dans les villes, moi j'ai un autre chiffre, on parle de 75% de la population à l'échelle mondiale dans des villes dans le monde, voilà, à la fin de ce siècle. Ça veut dire que si 75% des habitants de la planète sont privés de nature et n'en ressentent plus l'intérêt et n'ont donc pas de besoin de la protéger, donc on voit bien la catastrophe qui s'avance. Il s'agissait de 75% de la population qui en 2050 vivra dans les grandes métropoles, en effet, et c'était 30% simplement de personnes âgées, en tous les cas à la retraite ou âgées, qui habiteront ces villes. Est-ce qu'on peut penser que les zoos sont des hôpitaux pour la biodiversité, puisqu'ils sont là pour maintenir les espèces? En partie, oui, parce que c'est vrai que dans l'histoire des zoos, qui sont aussi des endroits fantastiques d'un point de vue architecture, hein, par Zoologique de Paris, il y a un livre d'ailleurs qui a été publié très récemment qui explique toute l'histoire, et il y a une véritable, enfin, il y a des courants de pensée, il y a, etc. Et le jardin, le fameux rocher des singes, a toute une histoire aussi. Voilà. On a évolué. Avant, les zoos, c'était dans des endroits où on montrait la faune, c'était un lieu de curiosité. Et puis de plus en plus, c'est des endroits où il y a des programmes de préservation, des programmes de reproduction en captivité qui permettent éventuellement de réintroduire certaines espèces menacées dans la nature. Donc c'est tout à fait vrai. Mais je pense que imaginer que les gens puissent avoir de la nature uniquement une vision à travers les eaux, moi, me terrifie. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, voire même, comme ça se passe un peu trop souvent, on se réfugie derrière une réalité virtuelle. Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi, de plus en plus, on parodie la réalité en faisant des murs peints, des murs vitalisés, mais aussi des fresques qui sont censées représenter ce qu'on n'a plus à côté. Et puis il y a aussi un enjeu, hein, dont on n'a pas encore parlé, c'est que
Il faut essayer d'éviter, tant que faire se peut, que les urbains ne fuient la ville dès qu'ils en ont l'occasion. Parce que ces espèces de migrations hebdomadaires, on voit bien ce que ça a comme conséquence en matière d'empreinte écologique, on voit bien ce que ça a aussi comme ce que ça génère comme stress. Parce que finalement, les gens, pour quelques heures de bonheur dans un endroit privilégié, ils passent des heures dans les bouchons, ils sont finalement fatigués plus quand ils reviennent que quand ils sont partis. Et tout ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment aussi un problème généré par la ville et à laquelle, à mon avis, il faut remédier. Or, je n'ai pas forcément énormément voyagé, mais un petit peu, on voit quand même que dans certaines villes, le dimanche, dans des grands parcs qui sont très vastes, eh bien finalement, on voit beaucoup de gens s'y promener, qui sont des gens qui habitent là et qui n'ont plus forcément besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ont à côté de chez eux. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Les grands parcs, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, qui ont été beaucoup décriés à une certaine période, hein, la Courneuve, vous les connaissez, sont des endroits qui sont extrêmement fréquentés par une population de proximité et qui sont pourtant menacés actuellement par des projets urbains. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'ils jouent un rôle capital, souvent d'ailleurs pour une population défavorisée qui n'a pas forcément les moyens, elle, de partir chaque week-end. Richard, quelles sont justement les formes d'urbanisme qui seront mieux de demain peut-être accueillir la santé en ville, ou en tous les cas parmi les villes que tu as pu visiter, que ce soit la ville d'Asie, quelles sont celles où on trouve le meilleur équilibre ou la forme de bien-être? Oui, donc moi, enfin, je suis très intéressé par ce que vous avez dit effectivement sur les animaux, qui vivent plusieurs activités, effectivement sur les vaches que vous voir de Paris. Et je pense que peut-être, bon, ça va peut-être un tout petit peu contre ce que j'ai dit au départ, mais je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut penser peut-être une architecture, non pas peut-être uniquement pour les corps humains, mais vraiment, disons, très ouvertement, une architecture du vivant. Il y a passé un petit peu voilà, une architecture de l'existant, hein, disons les grands philosophes qui soient l'espace autour d'un être qui pense, mais au contraire, arriver donc à avoir une vision, disons, non anthropomorphique, non anthropocentrique du monde, mais vraiment totalement ouverte. Sur les animaux et sur la végétation, essayer de penser. Ça, c'est vrai que c'est une démarche, quand même, malgré tout, qui est relativement forte, enfin, qui voit vraiment aujourd'hui émerger. Parce qu'aujourd'hui, finalement, à Paris, on n'imagine pas un toit, par exemple, on imagine difficilement, ou c'est la réflexion qui vient presque tout de suite, d'avoir un toit qui est planté, par exemple. Enfin, c'est une chose qui est. Et le toit planté, bon, bien sûr, c'est des plantes. Mais c'est aussi, donc, mais ça permet aussi des migrations donc, d'animaux. Et donc, quelque part, il voilà, y a des procédés hein, qui se mettent en place. Et on voit qu'on passe quelque part d'une civilisation anthropocentrique humaniste hein, vers une civilisation un tout petit peu post-humaniste, où justement, on est capable donc, de construire hein, pour le non-pensant et encore non-pensant. On ne peut pas ça. Peut-être beaucoup s'avancer, en tout cas pour le non-humain, hein, que ce soit les plantes et les animaux. Mais ça, c'est vrai que c'est un phénomène que l'on peut voir déjà en place dans des villes comme Paris, et aussi, bien sûr, dans les projets de Grand Paris. En tout cas, je me rappelle surtout ceux de 2010, où effectivement, voilà, la grande révélation, malgré tout, c'était l'idée d'avoir des couloirs écologiques qui permettent les migrations animales. C'était quelque chose qui n'était pas visible auparavant donc, dans les plans d'urbanisme. Alors, je pense notamment au projet de Foster qui recouvrait donc, complètement les voies de la gare de l'Est et du Nord, créer de gigantesques couloirs écologiques. Et je pense aussi donc, à des projets peut-être moins spectaculaires mais très sensibles, notamment le projet de Fingépol, hein, puisque lui, effectivement, il avait recensé hein, toutes les zones plantées autour de Paris, et puis il avait prévu donc, non pas des architectures emblématiques, mais simplement de jouer sur la réglementation urbaine pour que ces zones soient absolument préservées et qu'effectivement toute construction eh bien, vienne dans le déjà construit. Vous avez évité effectivement hein, de poursuivre donc, enfin, ce que vous ne souhaitez pas, hein,
la fin de la nature dans la ville et organiser complètement des relations donc, avec tous ces espaces verts, que ce soit les champs, que ce soit penser véritablement à des relations entre ces espaces verts pour que les espèces puissent se mélanger et que la ville, ce soit à la fois la ville des hommes, mais aussi la ville des plantes et des animaux. Et puis c'est vrai, j'ai beaucoup été intéressé pour vous quand vous avez parlé effectivement de des expériences donc, qu'on pourrait imaginer donc, en matière de logement pour les personnes âgées. C'est vrai que convoquer des typologies comme le béguinage, voilà, qui effectivement, c'était le béguinage des monastères pour les femmes laïques qui s'étaient converties, on en voit encore effectivement dans les pays du Nord. Et c'est vrai que ça, ça pourrait être une solution effectivement extrêmement intéressante de revoir, de réfléchir un tout petit peu à ça, à des enclaves de ce type dans la ville. Hein, pour pouvoir effectivement faire en sorte que les gens soient toujours socialisés. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu déconcentré dans mon introduction, mais effectivement, vous avez absolument raison de dire que quelque part aussi, l'homme, c'est pas un animal comme les autres, c'est surtout un animal social. Et effectivement, c'est en traitant avant tout donc, les relations que les hommes peuvent avoir les uns avec les autres, qu'on a des chances, effectivement, surtout de lutter contre la maladie et puis de favoriser, donc, effectivement, la santé, uniquement, pratiquement, en travaillant sur les relations. Et là, peut-être, je voudrais parler des projets de mes étudiants que j'ai travaillé cette année, il y a quelques exemples ici. C'est vrai que, bon, c'est des projets, un petit peu, je pourrais dire, utopiques, si on veut. Enfin, c'est pas vraiment des projets utopiques, c'est plus des projets théoriques. Voilà. Donc, effectivement, imaginez travailler un espace médicalisé, par exemple, autour des espaces de socialisation. Et effectivement, dans une ville, par exemple, les espaces de socialisation qui sont importants, ce sont les places. Donc imaginez effectivement donc, un espace de médicalisé, un quartier, eh bien, qui soit une succession de places sans rue, donc des espaces de socialisation forts, avec effectivement toutes ces places pouvant correspondre donc, à des zones médicalisées spécifiques, plus, disons, réservées aux personnes âgées ou autres, et les faire communiquer les unes avec les autres, hein, pour justement donc, créer du lien. Après, il y avait un autre projet, enfin, vous pouvez le voir à côté, donc je crois que vous l'avez présenté, hein, c'était de travailler. Bon, là encore, comme vous dites, c'est important de revenir en arrière et puis de réfléchir donc, un petit peu sur d'anciennes typologies, d'anciennes idées, donc c'est bien reprendre la thématique du béguinage, qui a transformé complètement. Mais là, ces étudiantes, elles s'étaient plutôt penchées sur des modèles qui appartiennent à l'histoire récente de l'architecture, comme l'espace oblique de Claude Parent qui vient de décéder. Elles s'étaient beaucoup penchées à ça. Et ça aussi, Claude Parent pourrait le récupérer et puis, le réintroduire dans une architecture de la santé. Parce que lui, en fait, ce qu'il disait avec Paul Guérillot, il disait que finalement, la ville d'aujourd'hui, elle est complètement contre nature. Parce que, effectivement, d'abord, il y a eu la ville étalée, la ville plate. Enfin, je vais passer un petit peu comme ça sur le groupe des architectes, c'est très simple. Donc, il y a d'abord la ville plate, puis après, il y a eu la ville avec les gratte-ciel. Et effectivement, le grand malaise là-dedans, notamment la ville des gratte-ciel, c'est que, effectivement, les gens font pratiquement plus aucun effort, ils prennent l'ascenseur, et donc ils oublient complètement leur corps. Et donc, ils ont développé donc, pendant des années, dans une revue, toute une réflexion sur la pente. Et justement, ce qui est intéressant chez eux, c'est que cette pente, ça leur permettait de remettre le corps au centre de leur architecture. Parce que bien sûr, quand on monte une pente, bien, on fait un effort, vous voyez, on est dans certaines circonstances, quand on redescend, on se sent complètement libéré. Mais tout ça, si vous voulez, vous voyez, eh bien, ça met en avant, quelque part, une sorte de corps glorieux, vous voyez, le corps de Léonard de Vinci. Alors que c'est vrai, la tendance aujourd'hui, quand on réfléchit donc en termes de santé, enfin, vous savez mieux que moi, donc, effectivement, tous les logements maintenant, par exemple à Paris, sont équipés pour des chaises roulantes, mais c'est peut-être pas forcément, vous voyez, là, ce qui est le plus adéquat, hein, pour penser donc, le corps bien portant. Alors, peut-être c'est mieux, effectivement, privilégier quand même malgré tout l'effort, parce que, enfin, comme vous l'avez dit, les personnes dépendantes, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Hein. Et puis les dépendances, elles ne sont pas uniquement d'ordre moteur. Il peut y avoir d'autres types de dépendances, de pathologies. Et donc, voilà, en tout cas, il proposait, voilà, de faire des
et pauvre partout, hein, pour refaire surgir, donc, non pas le corps avachiste, mais vraiment le corps glorieux, le corps de l'homme ainsi. Et effectivement, donc, les étudiants se sont emparés, hein, de cette thématique de la pente pour imaginer, donc, vous voyez, une construction, enfin, un petit peu comme les leurs, mais de manière un petit peu plus contemporaine, plus différente, hein, où le corps est constamment actif, en train de se déplacer. C'est vrai qu'aussi, dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce que vous dites, ce que dit Jean-Pierre dans le livre, hein, sur les cages d'escalier, c'est vrai que c'est un vrai combat aujourd'hui. Ouais, c'est à la fois un combat social, parce que quand même, malgré tout, c'est plus agréable de se rencontrer dans une cage d'escalier, voilà, plutôt que au seuil de l'ascenseur, si vous voulez, c'est pas le motif de rencontre. Et ça aussi, c'est des choses qui sont privilégiées. Donc, effectivement, vous travaillez, hein, sur le corps en déplacement, en tout cas sur une architecture de l'effort qui remet le corps au centre du dispositif architectural. Et puis, il y a d'autres exemples, hein, notamment. Il y a aussi des étudiantes, un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, là, vous voyez, en parlant du jardinage, c'est vrai que, bon, peut-être, bon, on schématise, je schématise toujours, et il y a peut-être trois états du jardin hospitalier. Le premier, effectivement, c'est le jardin médicinal, c'est le jardin des plantes. Après, le deuxième, c'est le parc public, peut-être lié au sanatorium, où on respire le grand air. Je me rappelle, le sanatorium d'Alpin, à Palio, où on voit effectivement la forêt, on a l'impression que vraiment que les arbres vont participer à la régénération du corps. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, il y aurait peut-être notre rapport, donc, à la nature, notre rapport thérapeutique à la nature, dans le contact direct, dans le jardinage. Parce que le jardinage, il est à la fois un contact direct, un contact physique, mais c'est aussi un contact social. C'est évident que, hein, les gens qui jardinent, eh bien, ils ne le font pas forcément seuls. Ils ont toujours besoin, donc, de l'aide d'un tiers. Et donc, voilà, vous avez essayé d'imaginer, donc, d'abord, voyez, le jardin, et puis un jardin thérapeutique, donc, du 21e siècle, et après, les constructions. Les constructions, bien sûr, elles avaient d'abord imaginé faire des tours pour pas qu'il y ait d'ombre, pour ne pas obérer, vous voyez, l'espace, donc, de jardinage, l'espace social, et puis à la fin, elles sont plutôt orientées, hein, vers des cours enterrés. Ce sont des choses qu'on trouve dans l'habitat vernaculaire, notamment en Chine, par exemple, et donc elles ont enterré les habitations, les champs, pour libérer complètement le sol, pour pas qu'il y ait d'ombre pour porter des constructions sur le jardin, mais avec des relations directes de ces constructions à être donc enterrées au jardin. Vous voyez, donc c'est un petit peu, ce sont des projets, je dirais, bah, toujours théoriques, c'est pas vraiment d'utopie, c'est pas vraiment non plus du réalisme absolu, comme les hôpitaux qui peuvent être faits par l'IA et d'autres architectes, mais simplement essayer d'imaginer, vous voyez, de réfléchir, voilà, non pas uniquement avec des mots, mais aussi avec un crayon ou un ordinateur, en pensant donc des espaces qui ne sont pas forcément tout de suite opératoires, mais qui le seront peut-être par la suite, en étant transformés, mis aux normes. J'ai bien lu le thème de la dynamique, hein, justement, pour les personnes âgées, c'est un thème essentiel, non? Enfin, c'est un thème de maintien. Je me sens très à l'aise avec tout ce que vous venez de dire. Et en vous écoutant, je me disais qu'il fallait qu'on puisse assumer des paradoxes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des pensées simples, et on fait pareil en médecine, quelquefois on simplifie le réel pour le comprendre. Mais en même temps, il faut comprendre qu'en simplifiant, on a tordu le réel. Et donc cette prise de conscience de la distorsion qu'on a entretenue est notre champ de liberté et de libre arbitre sur la question. Je matérialise mieux ce que je suis en train de dire en prenant par exemple l'exemple de la nature. Sans revenir ni être en opposition, au contraire, avec tout ce que vous venez de dire, la nature est aussi ce lieu d'aliénation. C'est ce lieu aussi où des paysans sont morts de faim pendant des siècles. C'est un lieu où il n'y avait pas accès à la culture, où il y avait la domination du plus fort. Et si l'urbanisation a été expliquée à la fin du 19e par le recours à un travail, c'est parce que le travail des champs ne nourrissait plus son homme, tout simplement, et qu'en même temps, en allant en ville, il y avait des conditions de vie qui étaient meilleures. Et donc la nature a ses visages, on le sait tous, c'est des évidences que je dis là. Mais c'est vrai qu'à la fois, il y a une nature biodiversité
Il y a un contact réel par la terre. Il y a une étude récente qui a montré que le déclin cognitif chez les maladies d'Alzheimer diminue quand on a un accès à un potager. Voilà, bon. Donc, il y a des éléments qui sont incontournables et tout ce que vous venez de dire est essentiel. Y compris la vache qui est un objet curieux d'observation. Bon. Mais en même temps, il faut pas qu'on oublie que la ville a eu un effet extraordinaire d'humanisation. D'autre part, on essaye de mettre en évidence l'individu et son habitat. Mais on sait bien qu'en mettant l'individu et son habitat, on est en train de mettre en exergue un paradoxe. On met en exergue l'inverse de ce qu'on construit. Parce que qu'est-ce que la ville? C'est pas un habitat, ce sont des habitats, et c'est pas un individu, mais c'est une sociologie d'individus ensemble. Et il ne faudrait pas, parce qu'on a envie de simplifier le modèle en faisant émerger l'habitat et l'individu, qu'on oublie que la réalité essentielle, humanisante, et qui fait qu'on a une amélioration des conditions de vie, d'accès à la culture, et de notre Dasein, on dirait Heidegger, de notre sentiment d'être, c'est le fait qu'on est collectivement ensemble dans une ville. Et que ça, c'est un bénéfice extraordinaire. Et donc, à la fois, on pense l'habitat, mais cet habitat, il est forcément un habitat de voisinage. Pour le matérialiser autrement, et sortir peut-être de l'exemple du béguinage, mais tout en étant proche de cela, il y a, dans une ville proche de Nantes, il y a une tour dans laquelle il y a 100% de femmes qui sont soit âgées, soit monoparentales. Et elles sont chacune dans un appartement fait pour une famille de monsieur, madame et deux enfants qui ne doivent pas se parler. On voit bien qu'il y a une sorte de verticalité sociologique de cette organisation qui fait qu'il y a forcément une architecture différente permettrait cette entraide qui est attendue de chacune sans pouvoir être forcément exprimée par les peurs qui peuvent régner dans une ambiance de quartier. Et donc je pense à un autre exemple pour l'illustrer, c'est celui qu'a mis en place Pierre-Henri Dor à Dijon, dans ce qu'on a appelé le quartier intergénérationnel, qui est une expérience réussie, où quand on veut un logement, louer un logement dans ce quartier-là, on doit signer la charte des voisins. Et cette charte est co-signée par le préfet et le maire, et dans lequel on s'engage. Si on prend cet appartement, avec cet appartement, on s'engage à entretenir des relations d'entraide avec le voisinage, à rendre service et à demander service. Demander service aussi. Et ça fonctionne bien. Moi, j'y ai passé 8 jours parce que je n'en croyais pas mes yeux. Comme Pierre-Henri m'en parlait, je dis oui, bon, ça va, il y a des expériences. Eh bien, j'ai été quand même très impressionné par les solidarités qui se créent avec la maison de retraite, la crèche, et puis ces habitats avec des espaces où finalement les gens se parlent, parce qu'ils se parlent déjà dans les immeubles, il y a une autre ambiance. Donc, c'est pas utopiste, c'est demain, et parfois avec des petites choses. Une architecture qui permet des relations, penser les espaces communs, la cage d'escalier en état évidemment, penser aussi un peu à l'appartenance à un groupe humain quand on habite un logement qui est collectif de nature, puisqu'on est dans la ville et que finalement c'est la ville qui nous permet un surcroît d'humanité que quelquefois la nature sauvage ne nous permet pas. Et puis tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas qu'on se laisse impressionner et obnubiler par la loi d'accessibilité. Là je suis parlement politiquement correct, mais... oui, c'est vrai que ça pose des questions, ça coûte cher, ça casse les pieds à tout le monde et qu'il faut le faire. Mais il ne faudrait pas que, pour cela, on passe du côté du zéro effort, parce que la loi d'accessibilité, c'est pour empêcher l'exclusion sociale des personnes en situation de handicap. Mais ça n'a rien à voir avec la nécessité qu'on a à faire un effort et à s'adapter pour vivre mieux. Et donc, il ne faut pas que derrière la nécessité de la loi accessibilité, on soit sur un zéro effort tout accessible, où finalement, on ne puisse plus affronter la fatigue de la marche
se rendre compte de son essoufflement. Aujourd'hui, on fait le diagnostic d'insuffisance cardiaque beaucoup plus tardivement, parce que les gens font tellement peu d'efforts qu'ils ne sont même pas essoufflés. Donc quand ils commencent à avoir des problèmes, ils ont déjà les trois coronaires bouchés. Ça veut dire qu'on est vraiment à zéro effort. Et ça, il faut s'en sortir de ça. Je ne me souviens plus du tout de votre question. Je me sentais très proche de ce que vous avez dit. Vous voulez réagir ? Oui, parce que le but quand même de ce débat, c'est qu'on puisse réagir de temps en temps. Sinon, je pense que je n'ai pas besoin de micro. Je voudrais réagir sur la notion d'absence de nature dans la ville. Alors, si vous avez parlé de Berlin, évidemment, il y a une surface, je dirais, de jardin en proportion de la ville beaucoup plus identique qu'à Paris. Je voudrais aussi faire référence aux villes comme Vancouver ou Sydney. Ils ont effectivement des sites fabuleux. Hein. Il y a pas eu de fabrication par l'homme du jardin. Hein. Il y avait déjà un site extraordinaire. Et je rebondis sur la notion aussi du fait aussi que vous avez parlé de la notion de vivre vieux. On s'aperçoit que en France, on vit beaucoup plus vieux en moyenne que les Européens, pour ne prendre que les Européens. On s'aperçoit qu'à Paris, il y a beaucoup moins de jardins qu'à Berlin. Pourtant, on vit beaucoup mieux, on a, entre guillemets, est-ce qu'on aurait une meilleure santé que les Berlinois. Et si je rebondis sur Tokyo, on s'aperçoit que là-bas, la notion de jardin est quelque chose qui est pas du tout le jardin à l'occidental, mais c'est des petits jardins. Et les Japonais vivent beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps que, je crois, que toute la population mondiale. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre le fait de vivre vieux et le fait de la nature et de la pratique de cette nature par le sport de tous les jours? On est... Le Japon est la seule exception connue à... Justement. On est le seul pays développé dans lequel c'est dans la campagne qu'on vit le plus longtemps. Voilà. Mais le Japon est un cas à part du reste de l'humanité. Sur toutes les statistiques... Et moi aussi, j'espère vivre au milieu parce que je vais essayer de retourner vers la campagne. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a une corrélation entre la surface de jardin, la surface du petit potager que chaque personne devrait faire pour pouvoir vivre mieux, et le sentiment de bonne santé. Nous, les Français, on fait très peu de sport, et pourtant, on vit mieux que les autres. Sur le plan médical, il n'y a aucune corrélation, qui, à mon avis, qui peut être faite, puis ce n'est pas du tout le seul facteur. Une corrélation étant la relation linéaire entre deux facteurs qui agissent de manière continue. Je pense que le vieillissement à Berlin n'est pas dû que aux espaces verts. Il y a aussi une histoire qui est un peu compliquée à Berlin. Quand on est âgé à Berlin, on a connu beaucoup de choses. Et donc, je pense que l'espérance de vie des Berlinois est le fruit aussi d'une histoire. S'il y a une seule définition de la personne âgée, dirait M. de la Palisse, c'est qu'ils ont vécu longtemps. Et donc... L'histoire est importante. Au Japon, on associe ça, l'espérance de vie au Japon, surtout en fait à l'alimentation d'acides gras non saturés, liés aux poissons, en particulier aux poissons qui sont, entre autres, sachant qu'un Japonais qui migre aux États-Unis 10 ans après a l'espérance de vie d'un Américain. Donc on sent bien que c'est... l'alimentation, etc., est assez important. Alors, je ne sais pas sur les espaces verts. Non, ce que je peux dire, c'est un peu une forme de boutade, c'est est-ce que vivre plus vieux peut être équivalent à vivre mieux ? Enfin, est-ce que c'est une fin en soi de vivre très vieux ? Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent éventuellement vivre moins vieux, mais tout en ayant une vieillesse pleine, parce qu'ils ont à proximité de chez eux quelque chose à regarder, parce qu'ils peuvent trouver du plaisir à se promener dans quelque chose de naturel. Et juste pour répondre à la question qui n'a pas été répondue, c'est-à-dire sur la notion de,
de trajectoire, enfin, je ne sais pas, c'est pas le terme qui était utilisé, mais enfin de dynamique, voilà. Il faut savoir que les espaces verts en ville, il faut aussi les imaginer comme des espaces dynamiques, et c'est bien là l'écueil aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, chaque chose a sa place de façon immuable, et sous une forme immuable, mais on n'imagine pas que les choses ont une dynamique. Un milieu naturel vivant, c'est quelque chose qui a une évolution, c'est pas toujours un stade climatique, comme on le dit en écologie, bon, donc un stade ultime, c'est des endroits, c'est des choses qui se régénèrent, c'est des choses qui peuvent évoluer, et chaque stade a sa valeur, a ses intérêts, a ses espèces propres. Et pour que l'écosystème ville fonctionne, il faut qu'il y ait suffisamment de ces espaces à différents stades pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit fonctionnel. Et cette fonctionnalité, elle est extrêmement importante. Alors, je reviens sur cette notion de décor. Si on envisage la nature en ville uniquement comme un décor, on ne fait pas de boulot. Enfin, clairement, on passe à côté de ce qu'on devrait, de ce qui est intéressant et de ce qui peut amener justement une relation entre l'homme et la nature, non pas dans une vision idéaliste du beau sauvage, etc., de quelque chose dans quelque chose de vraiment fonctionnel et qui peut avoir aussi un sens extrêmement important d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. C'est-à-dire la nature en ville, la culture, enfin, je veux dire, il y a des gens, par exemple, si on prend les récits de gens qui ont été détenus en captivité, beaucoup d'entre eux décrivent la capacité d'écouter les bruits de la nature à travers les barreaux de leur cellule comme un puissant moyen de résister. Parce qu'on entend un oiseau, parce qu'on entend une petite feuille. Voilà. Si on n'a plus ça, et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la maladie, il y a probablement des gens qui sont aujourd'hui privés de ça, et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont un manque. Autre point, on parle de la nature visible, mais il y a aussi, la nature au sens très large, l'univers. Aujourd'hui, on est privé, dans les villes, dans la plupart de nos villes, de la vision de la Voie lactée. Or, il faut quand même savoir que notre civilisation a longtemps été en lien avec l'observation des étoiles, etc. Et aujourd'hui, on s'en passe parce que ça n'est plus dans nos... dans notre culture, mais il faut savoir que d'autres cultures ont encore besoin de voir des astres pour des pratiques culturelles, pour des pratiques religieuses, que sais-je. Donc, un des phénomènes, par exemple, de pollution et de problèmes qui est très émergent depuis une dizaine d'années, c'est la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, ça a été longtemps le problème des astronomes, qui ne pouvaient plus observer les astres, puis on s'est rendu compte que des animaux étaient perturbés, que des végétaux étaient perturbés, puis on s'est rendu compte que quand on éclairait des gens, des humains, en tout temps, eh bien, la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine ne se faisait plus, et que cette absence de sécrétion pouvait générer des problèmes médicaux. Là, je parle sous le contrôle de gens qui sont bien plus compétents que moi, mais en tout cas, on voit bien que tout ça est très lié. Donc, cette notion voilà, de nature en ville, encore une fois, c'est pas juste une vision, j'allais dire, un peu passéiste, un peu idéologique, un peu voilà, d'écolo-bobo, mais ça correspond réellement à un besoin. Et moi, je fais partie, je disais ça il y a déjà 30 ans, donc on ne peut pas m'accuser d'être un opportuniste ou de céder un effet de mode. Moi, j'ai toujours pensé que l'architecture du XXIe siècle serait une architecture qui prendrait en compte la nature de façon extrêmement prégnante. Et comme on l'a dit, on l'a bien vu à travers les projets du Grand Paris ou d'autres projets. Alors après, certains sont peut-être allés trop loin, il ne faut pas non plus, délirer. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, des choses vraiment extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, qui peuvent générer non seulement un enjeu en termes de biodiversité, mais des enjeux forts en termes d'aménité, et notamment par rapport à la santé ou par rapport à tout simplement à la relation de l'être humain avec l'endroit d'où il vient, c'est-à-dire la Terre. Et aujourd'hui, la Terre, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que une des nouvelles donnes dans l'architecture, c'est parfois aussi de faire des architectures qui laissent voir la Terre. C'est-à-dire que c'est quand même important de savoir d'où on vient quand on ne voit plus que du bitume ou du béton, à un moment donné, ça peut poser problème. Donc, voilà. Oui, vous avez fait une remarque. Je pense que
on emploie trop le mot souvent, on emploie trop largement le mot nature. C'est quelque chose qui pose problème. Je vais en donner quelques exemples. D'une part, je me souviens d'avoir travaillé en relation avec la Pure et le Muséum sur un livre qu'on a publié qui s'appelait Atlas de la nature en ville. Et on était très embêtés parce que le mot nature, on était obligé de le mettre pour des raisons quasiment éditoriales, c'est-à-dire que pour vendre le livre nature, ça, bon, c'était bon. Si on avait, mais on aurait voulu mettre Atlas de la biodiversité en ville, à Paris, en l'occurrence. Parce que c'est quelque chose, si on sort de Paris, ce que nous a fait remarquer, par exemple, Gilles Clément depuis longtemps, c'est qu'on arrive à une nature, soi-disant, complètement hybridée par la technique, c'est-à-dire presque autant que la ville, puisqu'elle est. Avec les pesticides, etc., on s'aperçoit qu'il y a moins de biodiversité dans la ville et dans la Beauce que dans Paris intramuros. Ce qui est vraiment un paradoxe, mais un paradoxe très intéressant. D'autant qu'à l'époque, quand on a fait ce livre, je me souviens que les gens, et même les professionnels, étaient extrêmement surpris, parce que ce n'était pas du tout à l'époque ce film. Un peu plus d'une dizaine d'années, on a été surpris, même les professionnels, qu'on puisse s'intéresser aux chauves-souris, par exemple, dans l'urbanisme parisien. Ils sont bizarres. On voit qu'on a fait des progrès depuis, puisque maintenant, les chauves-souris, comme les autres animaux ou végétaux, font partie, justement, sont partie prenante des problèmes urbains. Et des questions architecturales. Alors, j'en viens à un point où là j'ai été un petit peu piqué dans le vif, parce que vous avez manifestement fait allusion à un travail auquel j'ai participé récemment sur le parc Georges Valmont de la Courneuve, dont je suis partisan à fond de bâtir sa périphérie, parce que pour deux raisons. Un, parce que il n'y a pas d'opposition, selon moi, entre le nécessairement une opposition frontale entre bâtir, construire et avoir un espace dit libre. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, ce parc, par exemple, de la Courneuve, il est enserré dans un réseau d'autoroutes et de voies rapides qui font que, mais sauf peut-être le dimanche, il n'y a pas grand monde dans le parc de la Courneuve. Il n'y a pratiquement personne. Je suis allé souvent, il n'y a pratiquement personne. De façon simple, il faut prendre sa voiture pour y aller. Ou alors longer une voie rapide sur plusieurs kilomètres, sauf si on habite juste dans une des entrées qui se trouve là. Si le fait de bâtir autour n'est pas du tout gênant, pas du tout gênant et pas du tout anti-biodiversité, je n'y crois absolument pas. Au contraire, vous allez pouvoir amener, comme on l'a fait à Saint-Mandé ou autour du parc des débuts de Chaumont au XIXe siècle, une population de type nouvelle, qui va rééquilibrer de la mixité sociale et, à long terme, transformer cet endroit en sans du tout, d'ailleurs, modifié du point de vue sur le plan de la biodiversité, etc. Bon, si je prends cet exemple, c'est pas du tout pour plaider pour ma chapelle, c'est simplement parce que je pense que parfois, on se laisse entraîner dans une opposition entre le construit, que serait la ville, et la nature, qui n'a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui dans la mesure où la ville est elle-même une nature hybridée, et réciproquement, malheureusement peut-être, sauf
dans des endroits où on fait de la protection, mais là, la protection, par exemple, sur les espaces, naturels, comme on dit, on les appelle comme ça, mais en fait, ils sont totalement artificiels, puisqu'on les protège par la loi. Donc, il faut travailler ces paradoxes, tout en étant, évidemment, en ayant évidemment pour objectif exactement ce que vous avez défini, qui est le développement de la biodiversité dans les conditions de la supermodernité dans laquelle on entre et d'un monde qui va devenir totalement urbain. Un dernier point sur la vieillesse. Là où je suis, par exemple, inquiet pour nos amis chinois, c'est qu'ils avaient une architecture et un urbanisme parfaitement adaptés à la vie familiale avec les anciens, les jeunes, etc., dans la ville traditionnelle. On appelait ça les moutons. Ils ont détruit tous les moutons. Et maintenant, on construit des appartements, ce qui fait que dans un pays où il y a peu de préoccupations sociales pour le moment, eh bien, les générations âgées, elles, vont se retrouver sans lien avec ceux qui, auparavant, s'occupaient d'eux et mixer de façon mixte dans un type de ville qui leur convenait. Alors évidemment, bon, on ne peut pas. Mais voilà un autre exemple, un autre type de réflexion que je voulais apporter à cette discussion. Ce n'est pas du tout une affaire polémique, c'est simplement qu'on a à réfléchir, on co-réfléchit ensemble. Hein, oui, on va laisser répondre quand même les interlocuteurs. C'est très intéressant d'interroger le concept de nature, parce qu'on a exactement la même chose dans le domaine du vieillissement. Et je voudrais faire référence au paradigme de la loi naturelle d'Edgar Morin, qui a pas mal travaillé, et puis aussi aux travaux sur l'homme de nature dans l'ère post-médiévale qui ont été publiés récemment. En effet, avec le vieillissement et avec le mot de nature, on retrouve la même chose, c'est-à-dire pour qualifier quelque chose qui est hautement hybride et le fruit évolutif d'une adaptation à l'environnement, on va utiliser un mot paradoxalement pour sa fixité, son donné transcendant. Sur le vieillissement, par exemple, la vieille dame qui vient voir son médecin généraliste en disant « je perds la mémoire », qu'est-ce que répond le médecin généraliste? Pas toujours, mais souvent. Ah oui, mais c'est normal, vous vieillissez. Oui. Et là, on est avec aussi, c'est un peu une sorte de demi-mot. C'est-à-dire qu'il y a un package, voilà, vous vieillissez, donc perte de mémoire, donc vous êtes moche, donc vous êtes dépendant, donc c'est tout ça, c'est normal, ça vous est tombé dessus, c'est tout. Voilà. Or, le vieillissement est un terme très dynamique, parce que c'est pas être vieux, le vieillissement, c'est quelque chose qui est. Et on en parlait avant, ça fait partie de ces transitions de la vie. Et donc on est aussi sur l'adaptation à l'environnement, très individualisé finalement, parce que c'est très contextué. Mais on va utiliser ce mot-là qui est dynamique dans son essence pour en dire quelque chose qui est fixe. Et dans la nature, on a la même chose. Et l'homme de nature chez Rousseau et quelque part la vision de la nature chez Kant, qui n'en voyait que les 250 mètres qu'il faisait à pied entre son bureau et une borne à sortie du village le soir. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout. Voilà. On sent bien que ces mots-là portent en eux-mêmes le contraire de ce qu'ils visent. Et qu'il ne faut pas se faire piéger par une nature qui devrait s'imposer à nous comme un fait accompli. On se retrouve aussi avec des lois naturelles dans des théogonies qui mènent à l'absurde, et on a la même chose avec le vieillissement. Et je pense que architecture, nature, vieillissement, architecture, je ne connais pas assez bien pour pouvoir travailler cette table. Entre nature et vieillissement, en tout cas, on a un point commun, c'est que c'est sûrement pas un terme qu'il faut prendre
pour ce que l'on voudrait qu'il soit comme présupposé, mais qu'un terme qui reste à reconstruire par ce qu'il est relatif en lui-même, contextué et hétérogène. Évidemment, c'est un sujet très, très, très riche et tout ce qu'on entend est passionnant. Je voudrais juste aller dans le sens de Jean-Pierre de Vantec par rapport à la question de la nature du vieillissement. Il y a une chose qui me trouble un peu dans ce débat, c'est qu'on parle de la ville comme une chose unitaire, comme si la ville était unique, y compris et surtout socialement. Or, la ville n'est pas une structure unique socialement, il y a un centre, il y a des périphériques. Il y a beaucoup d'études qui viennent de sortir, enfin j'en ai lu une ou deux, concernant le rapport entre vieillissement et le rapport au centre. À Londres, entre Lexington et entre la partie la plus centrale de Londres, la plus british, avec tout ce que ça a, de savoir-vivre, entre Londres et quatre stations de métro au nord, il y a 20 ans de différence d'espérance de vie. Et c'est la même chose entre Paris et la Courneuve. Alors c'est peut-être pas 20, je n'ai pas les chiffres en tête, mais tout ça pour dire que... Alors, ça c'est une première remarque. Alors, je vous amènerai une question, mais juste pour revenir à ce que dit Jean-Pierre de Vantec, la réurbanisation des bordures du parc de la Courneuve me paraît essentiellement une bonne direction dans la mesure où elle va ramener, comme tu l'as dit, des populations nouvelles, donc refaire du centre, refaire de la culture et refaire de la densité en réalité. Et donc, c'est paradoxal, hein, cette idée de refaire du vivant avec la ville. Quand on travaillait avec Jean-François sur les stations d'épuration, en fait, sur les stations d'épuration, c'est assez intéressant parce que, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, la nature est hybridée. Aujourd'hui, les fleuves ne sont en bonne santé que parce qu'ils sont usinés. C'est parce qu'on traite la Seine. C'est parce que sinon, on laisserait aujourd'hui, on retraite les sources qui arrivent pour amener l'eau potable à Paris dans des usines. Sinon, elles sont pleines de pesticides. Et la nature telle qu'elle est vierge aujourd'hui, dans le Bordelais, vous n'avez plus un papillon, plus une fleur, il n'y a que des lignes et des cancers qui se développent, etc. Les pesticides, vous l'avez très bien dit. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant, tous ces paradoxes. Donc une question, est-ce que vous avez pu, ou est-ce qu'il avait pu, alors, pouvez-vous évaluer le rapport entre la longévité et l'économie sociale de la ville, la socialité de la ville? C'est ma question. En fait, on a une coïncidence dans le temps entre deux phénomènes. C'est une génération de la croissance économique et un mode d'urbanisme avec le coût des logements. Il s'est trouvé après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a eu un baby-boom. Ce baby-boom s'est situé de manière contemporaine avec une croissance économique à 2 points pendant 30 ans. On pourrait revenir sur les conditions de pourquoi on a eu un baby boom et pourquoi c'est associé à une croissance à 2 points. Est-ce qu'on peut connaître une croissance démographique sans croissance économique, etc., etc. Mais on va prendre le fait de la contemporanéité d'une augmentation de natalité très importante avec une croissance forte. Plus la dévaluation de 58, qui faisait que des personnes qui avaient acheté un logement se retrouvaient avec un loyer très très fort de 1 franc par mois. C'était assez fréquent. Et donc, on s'est retrouvé avec une génération qui possède le foncier. En France, 75% du foncier est entre les mains, dans 70% des cas, est entre les mains de gens de plus de 70 ans. Et aussi, dans les 70% des actions du CAC 40 possédés par des Français sont des gens de plus de 70 ans. C'est-à-dire que, et le patrimoine de la France possédé par cette génération est de 11 600 milliards d'euros, ce qui fait qu'avec une croissance à tonne, on reste encore avec 2A plus. Donc, on a un effet historique, un accident démographique et économique, au sens de phénomène brutal et repérable, qui fait que on a une génération qui possède le foncier et qui a connu une période où on a une flambée du prix et la réorganisation de la ville, en sachant que le monde industriel s'était mis en périphérie, la désindustrialisation
à modifier. Et donc aujourd'hui, on a un centre-ville qui est vieux, riche, mais pas parce qu'il est centre-ville. C'est parce que ce centre-ville est le fruit d'une histoire, de notre histoire, depuis 40-50 ans. Et je ne pense pas que ça soit une propriété du vieillissement, c'est une propriété de cette histoire du foncier en France. L'autre remarque que je voulais faire, c'est sur mettre des immeubles autour d'un parc pour qu'il y ait de nouvelles populations et faire de la mixité sociale. Et je voudrais faire référence à un fabuleux livre « Passion française » de Gilles Crépel et du travail qui a été fait par des chercheurs CNRS il y a 2 ans et reprenant des thèses de Gilles Crépel. C'est que les personnes qui sont migrantes viennent dans un quartier, mais 5 ans après, elles ne sont plus dans ce quartier, et d'autres, toujours migrantes, et du fait que, en fait, ce sont des immeubles qui sont de migrants, mais ce ne sont pas les mêmes, parce que, en fait, l'intégration est très bien réussie en France, mais on oublie de le dire. Et en fait, on a une intégration très très bien réussie, mais la zone de migration, la zone de transfert est fixe, donnant l'impression que les gens y sont depuis toujours. C'était une remarque qui ne va pas à l'encontre de votre projet. Moi, non, moi je veux pas polémiquer sur le parc de la Courneuve. Il y a un certain nombre dans vos propos de contre-vérité, mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus, en particulier sur le fait que la nature n'est plus bridée, que tout ce qui est à l'extérieur de Paris ne vaut rien, et qu'en gros, c'est quand même pas aussi caricatural que ça. On a des études assez précises maintenant. La région Île-de-France est probablement une des régions les mieux connues sur le plan de sa biodiversité, et on sait fort heureusement que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et qu'il y a encore une biodiversité extrêmement importante à la périphérie, et que par ailleurs, elle est encore, j'allais dire heureusement, nettement plus forte que celle qu'on trouve en intra-urbain. Donc je voudrais juste vous donner un exemple pour vous faire réfléchir, pour vous faire agir. 2 exemples. Premier exemple sur le vieillissement. J'ai en mémoire une photo d'un bagueur d'oiseaux, je crois écossais, qui à 18 ans avait baqué un macareux moine, qui est un petit oiseau de mer avec un bec coloré. Et donc il avait 18 ans, jeune bagueur en pleine forme de l'âge, avec un beau macareux en pleine plumage nuptiale. Il se trouve que par le plus grand des hasards, 40 ans après, ce qui est un record pour ce type d'oiseau, il reprend le même oiseau. L'oiseau, l'individu a 58 ans, et le macareux moine est toujours en plumage nuptial, absolument fantastique, il n'a pas bouger Toyota. Voilà. J'en dis pas plus, c'est pour simplement vous faire réfléchir sur la notion de vieillissement, rapport à l'avenir, etc. 2e exemple, le parc des Momons à Montreuil. Le parc des Momons à Montreuil, il a une histoire, des galeries de gypse, et puis une utilisation par des champignonnières, et puis des errances, on ne sait plus quoi faire parce qu'il y a des vides, on ne peut pas construire, c'est dangereux. Donc on conforte juste ce qu'il faut, et puis on dit qu'on a installé au-dessus un espace vert. Alors on a un peu d'argent, donc on installe un espace vert sur à peu près 30 ou 40% de la superficie, puis on fait un espace vert classique, bon, poubelle, réverbère, gazon, voilà. Très bien, les gens y vont raisonnablement. Et puis de l'autre côté s'installe une friche. Une friche laissé à l'état naturel. Et puis, il se trouve qu'à côté, habitent des gens qui s'intéressent aux oiseaux, papillons, etc., et qui commencent à étudier le site et qui découvrent une faune qu'on n'imaginait pas. Et puis, il se trouve qu'un certain nombre d'élus commencent à être sensibles. Ça coïncide avec l'arrivée de Dominique Voynet à la tête de la mairie. Et puis, on réfléchit à l'idée de dire, tiens, on va peut-être faire un parc alternatif. Et donc, on va faire un parc qui va tenir compte de la friche, qui va s'en servir plutôt que la nier, et qui va, au contraire, et qui va faire, par exemple, qu'au lieu de faire des cheminements prédéterminés, on va laisser passer les gens au printemps, faire la trace, et puis on la confortera plutôt que de les obliger à passer là. Et on a mis un peu d'eau, on a fait venir de l'eau à travers des systèmes assez imaginatifs. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté? De façon surprenante pour les uns, mais qui était complètement prévisible pour les autres, on a constaté plusieurs phénomènes. Premier phénomène, le parc classique n'était plus fréquenté. Tous les gens allaient dans la friche, parce qu'ils y trouvaient beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'aménité, beaucoup plus de bonheur.
Deuxième conséquence, le prix du foncier a été multiplié par deux aux alentours du parc, avec des annonces dans la presse indiquant vue sur le parc des Beaumont. Les parcs des Beaumont, ceux qui avaient la vue sur l'espace vert classique, ils avaient des bâtiments, qui avaient des maisons qui valaient beaucoup moins cher que ceux qui avaient des vues sur la friche. Donc on voit bien qu'il faut effectivement repenser les choses. On voit bien qu'il y a une demande sociale qui n'est pas forcément celle qu'on croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment qu'on comprenne, c'est que, et notamment que s'approprient les urbanistes et les architectes, c'est que c'est les gens qui doivent dire ce qu'ils veulent. C'est pas l'inverse. C'est pas les gens à qui on dit, comme à Grigny, on vous fait des maisons rondes et puis vous achèterez des meubles ronds pour les faire coller sur les murs. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont réellement besoin d'une nature qui ne soit encore une fois, pas qu'un décor, mais qui soit quelque chose qui soit vivant. Et à travers ça aussi, un apprentissage, parce que ça, c'est extrêmement important. Apprendre à reconnaître le chant d'un oiseau, c'est extrêmement puissant. C'est puissant parce que ça rend intelligent. Une fois que vous savez que ce que vous entendez, c'est le cri d'un pouliot véloce ou chant d'un rouge-gorge, vous en ressentez une joie intérieure extrêmement profonde, parce que vous savez mettre un nom sur ce que vous voyez. Et après, derrière, vous pouvez transmettre. Et c'est extrêmement important. On voit aussi beaucoup de gens qui vivent dans le parc, qui ont appris de quelqu'un qui leur a dit, et qui transmettent à d'autres. Et ça, c'est extrêmement fort en termes de savoir. Et si on est juste... Dans l'arbre d'alignement, dans la plate-bande verte qu'on met entre les rails du tramway, ce qui par ailleurs est très bien, enfin, je trouve ça plutôt intelligent, mais voilà, on fait une erreur. Et puis dernier point, parce que bon, c'est toujours marrant de faire référence à l'actualité, même si ça peut vous paraître un peu dans cette assemblée, l'Euro de football, aujourd'hui, pourquoi il y a des pelouses qui sont dans des états absolument lamentables? Parce que on a pensé qu'à l'architecture du stade, et pas à la pelouse qui est pourtant l'objet central. Et pourquoi les pelouses en Angleterre, les stades, sont absolument remarquables? C'est parce qu'on a d'abord construit la pelouse, qu'on l'a installée avec un sol adapté, qu'on a pensé au soleil et qu'on a pensé à la façon dont la pluie allait tomber, et qu'on a bâti le stade autour. Et c'est ça qui fait qu'on a des pelouses qui sont de qualité absolument extraordinaire. Et si on avait fait ça au Stade de France, eh ben on n'aurait pas les problèmes qu'on a en ce moment. Là justement, tu m'as demandé tout à l'heure de parler un petit peu des projets actuels en Paris. C'est vrai qu'il y avait cette exposition au Pavillon National, Réinventer Paris, donc il y avait des sites particuliers, justement qui allait assez dans votre sens, si vous voulez, puisqu'on avait demandé non pas à des architectes de répondre donc, à des programmes sur des sites, mais au contraire à des architectes de s'associer avec des maîtres d'ouvrage, mais avec aussi donc, des collectifs, des gens qui étaient décidés à vivre ensemble, de faire des projets. Et effectivement, les réponses étaient très intéressantes. Moi, je me rappelle de quelques réponses, notamment la réponse de Raphaël Lanzat, hein, qui justement, si vous voulez, elle n'a pas fait vraiment un bâtiment. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un bâtiment dans un site. En tout cas, ce qu'elle a vu du site, ce n'est pas forcément les bâtiments existants, c'est que ce site, donc, comme vous le dites, vous voyez, eh bien, il avait, il était occupé par des gens, il y avait des habitants dans ce site. Et donc, c'est la vraie matière de son projet, ce n'était pas le béton, ce n'était pas le bois, mais c'était vraiment les habitants qui existaient déjà, qui devaient accepter les autres habitants qui allaient y arriver. Et pour ça, ils ont inventé, donc ils sont deux associés, hein, une idée que je trouve vraiment hyper intéressante, c'est-à-dire que le terrain qui avait fait l'objet de nombreux recours, parce que chaque fois qu'on faisait la ville de Paris voulait construire dedans, automatiquement les voisins faisaient un recours, parce que les voisins, ils avaient des grandes héberges, vous voyez, donnant sur le site, et ces héberges, elles avaient des jours de souffrance. Et donc, ils ne voulaient absolument pas que leurs jours de souffrance soient bouchés, ce que la réglementation autorise. Et là, donc Raphaël Ondelat a réfléchi à faire en sorte qu'on puisse offrir donc, aux occupants actuels des bâtiments voisins, pour très peu d'argent, je crois que c'était 30 000 euros, une chambre supplémentaire dans l'opération nouvelle, pour qu'ils puissent donc eux aussi, vous voyez, y trouver un avantage et puis accepter donc les nouveaux occupants. Là, je crois que, vous voyez, l'architecture aujourd'hui, je pense qu'elle est très attentive. Hein, au contraire, les choses ont quand même énormément
changer. Et d'ailleurs, ce qui était fascinant de cette consultation, c'est que, justement, voilà, exactement enfin, ce que vous dites, alors, on voyait réapparaître le tire-exclu. Donc, l'occupant, eh bien, tout d'un coup, eh bien, il était au cœur du projet dès l'origine, vous voyez, et non pas, il n'allait surtout pas subir l'architecture. Voilà, tout ça, ce sont des phénomènes hein, qui sont en place, les moteurs qui sont en place. Et effectivement, c'est sûr qu'on vit mieux quand vos voisins nous aiment, quoi. Et on vit beaucoup moins bien, j'ai connu ça, quand ils vous détestent, pour en mourir, quoi, vous voyez. Donc, voilà, je pense que ce sont des processus hein, qui sont en cours. Et puis aussi, pour revenir donc au végétal, c'est vrai que moi, ce qui m'a fasciné, c'est... Aussi, voilà, là aussi, c'est pareil, dans tous ces projets, il y a du végétal, il y a des jardins, bon, la plupart des architectes sont installés, bon, je ne dirais pas les noms, mais ils se moquent, vous voyez, de ces petits projets avec des potagers partout. Mais justement, le potager, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas uniquement du verre, c'est quelque chose de super important, sur lequel il faut vraiment réfléchir, parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, vous voyez, hein, c'est à la fois donc, de la nature, entre guillemets, dans la ville, mais c'est aussi donc, un certain rapport donc, au jardinage, hein, c'est un rapport physique, et puis aussi, bien sûr, donc, c'est quelque chose qui permet hein, de se resocialiser. Il y a énormément de projets donc, qui avaient été présentés à l'Arsenal durant le premier semestre, qui étaient basés là-dessus, hein, sur la resocialisation hein, par le potager. Et moi, ce qui m'avait assez fasciné, c'est que au début de Nuit Debout, vous voyez, un des premiers actes qui avait été fait, c'était de planter des salades. Et vous voyez, il y a aujourd'hui donc, une chose qu'on n'aurait pas imaginée dans une manifestation de ce type il y a 30 ans. Hein, on voit très bien, vous voyez, qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main, je crois, effectivement, cette mode du potager, c'est pas une mode, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Une dernière question, peut-être, quand même. Je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit et parce que j'ai l'impression que nous vivons dans un rêve de ville, un désir de ville qui, je ne sais pas s'il peut vraiment exister. Et quand on dit que l'homme part de la nature pour venir dans la ville, il ne va pas retourner dans la nature en allant dans la ville. Surtout qu'il y aura une telle densité que où est-ce qu'on va mettre cette nature ? Le vide dans la ville va être de plus en plus resserré. Les appartements, les habitats vont être de plus en plus resserrés également. Et donc, où est-ce qu'on aura la place pour, par exemple, planter des belles plantes ou faire des jardins? On aura peut-être un tout petit peu de place pour cultiver des plantes antipolluantes qui seront vraiment nécessaires à cause de la pollution qu'on va générer. Et pour les animaux, je ne vais même pas dire à M. Sofia parce que j'ai vécu en Afrique. J'avais un petit singe très mignon qui me surveillait pour faire mes devoirs. Mais il fallait après les promener, il fallait s'occuper des lui. Il ne vivait pas juste comme ça. Et pour les éléphants, je peux vous dire que quand ils vous soulèvent la voiture et que vous êtes dedans, vous n'êtes pas sûr de vous retrouver après vivant. Et donc, ils n'ont aucune envie de vivre avec nous, surtout pas en ville. Et par contre, je pense que vraiment cette idée des trois quarts de la population qui va venir en ville, je crois qu'il faut se demander même de quoi vont vivre ces populations. Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que toutes les filières économiques qu'on a connues, qui elles faisaient la richesse de la ville, etc., sont en train de s'essouffler. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme système économique, peut-être, qui sera basé plus sur la personne, sur la santé, sur le développement personnel, que ce soit en sport ou en culture ou en sociabilité, ça j'y crois vraiment. Et parce qu'il faut qu'on retrouve de nouvelles filières économiques et de nouvelles filières de vie. Et je crois que c'est très très important de se rendre compte de ce phénomène. Voilà, je voulais dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Je pense qu'on va avoir par contre beaucoup d'objets connectés pour la santé, qui vont nous aider à vivre, beaucoup de liens de sociabilité et des cultures, etc. Ça, oui, mais je crois que le reste est un peu mis en question. Peut-être l'occasion de faire une belle synthèse. Hein. Ça va être difficile, Christian. Je vous laisse commencer. Ouais. Je suis sûr que vous avez noté plein de choses. Ouais. Bah, c'est toujours un exercice difficile, mais ce soir, il me paraît pratiquement impossible de faire une synthèse, mais je vais quand même vous faire part de quelques réflexions personnelles
au décours de cette soirée qui a été d'une richesse, pour moi, je trouve, extraordinaire. D'abord, je voudrais faire un petit clin d'œil, elle ne m'en voudra pas, ni son époux, à notre mezza-soprano. Parce que dans son dernier acte, elle évoque une chanson espagnole, qui n'est pas divine, mais elle dit « Hay que triste amor ». Excusez l'accent espagnol, qui n'est pas parfait. Moi, ça m'a fait penser qu'on pourrait dire la même chose du concept de nature. L'amour, la nature, oui, ben c'est pourquoi ? Parce que ce sont des auberges espagnoles, justement. Et que chacun y meuble au gré de ses désirs, de son imaginaire. Donc, je pense que le concept de nature peut permettre du jardin potager, dont on sait bien, devant Rachel, dans les établissements de santé mentale, on a beaucoup utilisé ces jardins thérapeutiques, mais il y a aussi les jardins des simples, déjà existant du temps plutôt religieux. Bref, on a là un potentiel effectivement de la nature considérable, et donc je crois que je serais tenté de dire la nature m'a trop fait de bien pour en dire du mal, mais elle m'a trop fait de mal pour en dire du bien. Voilà. C'est vraiment un concept. Par contre, ce qui est clair, c'est que et j'ai bien aimé vos exemples. On a besoin de la vache. Vous, c'est vrai que ce soir, on est passé du cube, du lait en cube à la voie lactée. Excusez du peu, c'est quand même une sacrée extrapolation. Mais c'est vrai que moi, qui vis maintenant en Normandie, après 40 ans de vie parisienne, j'ai du plaisir à voir les vaches. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement un plaisir de badaud épicurien, encore que, naturellement, c'est très important. Mais c'est aussi culturel de voir les vaches. Et je vais revenir à l'essentiel du propos de ce soir qui m'était cet apport de la culture. C'est Gustave Flaubert qui disait « Il ne faut jamais faire avancer les hommes si on n'a pas vu avancer des vaches. » Parce que les vaches, elles font un pas, le pas des vaches, et ça ne sert à rien de vouloir les faire aller plus vite, elles n'iront pas. » Qui a vécu profondément dans le bocage normand, a été marqué de ça. Et c'est vrai, donc on tire de cette présence directe de la vie animale des enseignements évidents en matière non seulement, je dirais encore une fois, de bien-être, mais aussi d'enseignement dans le domaine culturel. Alors pour en revenir quand même à l'architecture, parce que c'était la table ronde de ce soir, bon, j'ai retenu quelques maîtres mots, comme on dit. L'architecture comme élément historique d'une protection. Je crois que c'est un des apports tout à fait essentiels qui nous étaient portés par Richard Scoffier. Oui, je pense que c'est vrai. Et toujours, justement, dans cette espèce de dialectique entre les dangers de la nature aussi. L'homme se protège et l'homme s'enferme. Mais attention, je l'ai dit la semaine dernière, au grand renfermement, où derrière l'hôpital, la prison, on enferme tout ce qui dérange une société. Moi qui dirigeais l'ISTER, j'ai vraiment le souvenir de ça. Donc voilà, il y a aussi un aspect un peu dialectique. Ensuite, l'architecture, ça a été dit, après la protection, l'aménité. Moi j'aime bien cette idée d'aménité. Au fond, on est tous dans la recherche de l'empathie, que ce soit avec le voisin. Et effectivement, si une des fonctions de l'architecture, c'était d'abord de faciliter le lien. Nous vivons tous, chacun à notre manière, dans des silos, dans des tuyaux d'orgue. Et je crois qu'on est en quête de transversalité. Michel Crozier, que j'ai bien connu et avec qui j'ai beaucoup travaillé, disait souvent ce qui est intéressant dans la vie, ce sont les marginaux séquents. On voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire des gens qui sont dans des frontières et dans des lieux d'intersection. Et je pense que l'architecture, pour moi, qui ai fréquenté quand même dans ma vie professionnelle énormément d'architectes, ce que je retiens beaucoup, c'est ça. C'est des gens dont une grande capacité d'être dans l'intersequence, c'est-à-dire de mettre en relation des gens qui autrement sans doute
n'y serait pas parvenu. C'est pas le seul métier qui permet cela, mais c'est, à mon avis, dans ce noble art, certainement quelque chose qu'il faut privilégier, et souvent l'aménité, elle est à ce prix-là. Ensuite, M. Gilberu a parlé de beaucoup de choses, moi j'ai bien aimé ce qu'il a dit sur la nécessité de l'adaptabilité. Ça, c'était le troisième maître mot que j'ai retenu. Au fond, l'homme, par définition, est un être adaptable. Et il faut aussi lui permettre plus facilement cette adaptabilité. Alors d'abord, il faut partir de son propre désir, vous l'avez dit. J'avais dit récemment, évitons de construire des modèles, privilégions les approches à la carte, quel que soit le sujet. J'avais rappelé mon expérience avec Prince Hilbert sur la personne âgée, c'est-à-dire essayer de trouver des lieux de vie différents selon ce que chacun a envie. Certains ont envie de vivre en chambre seule, d'autres en chambre à plusieurs. Ça dépend de son itinéraire personnel, ça dépend de beaucoup de choses. Donc ça, c'est une grande leçon, c'est de partir du désir simplement des gens. Voilà, alors on pourrait parler encore beaucoup, mais tellement de belles choses ont été dites ce soir. Je voudrais, en votre nom à tous, d'abord et avant tout, dire à ces messieurs un grand merci. Je n'ai pas gagné mon ticket pour parler, puisque je suis arrivé un peu tard, mais je vais vous dire pourquoi. Ça peut servir de parabole pour finir ces trois débats. J'étais dans le jury de diplôme d'une de mes étudiantes, qui s'appelle Caroline Jousset, qui revient du Japon, après avoir été à Fukushima. Elle proposait cet après-midi un diplôme dans le premier village au nord de Fukushima. C'est un endroit que le maire a décidé de réouvrir il y a déjà un an. Parce que les mesures de radioactivité sont assez faibles. Il se trouve que le vent le marin a projeté l'essentiel de la pollution radioactive vers des zones qui sont plus éloignées. Mais évidemment, qui veut revenir habiter à Fukushima? Alors elle est allée, elle a rencontré les premiers habitants qui sont revenus. Elle a rencontré, des choses dont vous avez parlé, les gens âgés. Parce que quand vous avez 75 ans, la perspective de mourir d'un cancer de la thyroïde, 20 ans plus tard, n'est pas très angoissante. Et donc c'est des gens qui parlent d'architecture, qui expliquent que leurs maisons sont très importantes. Que si elles ont survécu au tsunami, ça leur donne une dignité supplémentaire, et qu'ils se doivent d'accompagner leur maison, et que c'est pour eux une souffrance non pas de vieillir, mais de laisser leur maison dans l'abandon. Alors elle revient avec son film, avec des vieux qui disent « on revient vivre pour mourir à côté de Fukushima ». Ça voudrait dire qu'il va falloir quand même un peu les médicaliser sur place, que finalement c'est le maire qui vient. Il va y avoir un peu de retour. Ils étaient 15 000, ils seront 1 000 au maximum. Donc que fait l'architecte? S'il y a tous les logements des 15 000 qui sont encore là, il n'y a strictement rien à faire. Il faut brancher le courant, peut-être changer quelques frigos qui avaient mal tourné. Enfin, pas vraiment le boulot d'architecte. Et donc elle commence à regarder autour. Et elle regarde les champs qui sont déjà en train de partir en taillis. 5 ans plus tard, faute d'exploitation rentable, les paysans ont abandonné. Vous savez que le taillis, ça part en 3 ans, ça met 25 ans à récupérer. Donc, c'est catastrophique en termes d'exploitation. Or, dans 25 ans, le bois redeviendra exploitable. Et elle commence à retrouver, comme ça, des matières de projet. Simplement, elle trace des chemins d'exploitation forestière, puisque la forêt va avancer. Et puis voilà, elle fait une série d'actes. Et alors, le jury dit « Ah oui, c'est de la phyto-remédiation ». Elle propose une série d'actes qui engagent la méditation comme un acteur du traitement des pollutions. Puis à un moment, elle parle, un peu pour finir, de sa rencontre avec le prêtre Shinto, qui a voulu donner l'exemple en déplaçant son temple qui était au bord de l'eau et en le reculant, comme pour signifier une sorte de limite non constructible. Et un peu comme si le maire de la Faute-sur-Mer avait déménagé. Un truc grave, si le temps était contre l'eau, je ne donnais pas le bon exemple. Donc il recule. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, vous faites de la Shinto-remédiation. Mais en fait, c'est ça qui était joli. C'est que tous les projets d'architectes ne sont pas des projets de l'hyperdensité,
de l'hyperagressivité. Il y a aussi un certain nombre d'endroits dans le Cantal ou en Île-de-France où il faut faire plutôt moins que plus, et que là on y apprend des trucs qu'on va mettre dans le plus que plus. Et finalement, ce qu'elle disait qui était assez intéressant, c'est que il y a des milliers d'animaux errants depuis Fukushima. Donc une partie de son projet, c'est de créer un système pour parquer les animaux qui étaient des animaux d'élevage, qui aujourd'hui sont devenus à moitié sauvages, parce qu'ils sont incroyables, qui se baladent dans des, entre les sacs en plastique noir où on a mis des terres polluées, ça on voit des vaches, efflanquées en liberté. Et puis surtout, ces gens qui vont mourir lentement, à petit feu, mais heureux d'être chez eux, s'est mis à réfléchir à leur chat. Avec le chat est un des facteurs d'augmentation de l'espérance de vie. Et finalement, voilà un projet qui est pour 100 à 1000 personnes dans une ville de 12 000, et on se soucie presque plus des chats et des vaches que de tout autre problème. Voilà, c'est pour ça que c'est une parabole. C'est pas un commentaire sur ce que vous avez dit, puisque j'ai raté le début, mais c'est plutôt pour se dire aussi que si, quand on est architecte, on se retrouve que à vouloir densifier les abords de Parc de la Courneuve, on joue le jeu des promoteurs et on n'a aucune chance d'inventer quoi que ce soit. Et qu'il me semble que voilà, notre rôle le plus important, c'est d'aller se mettre en danger, d'aller se mettre à des endroits où on va être obligé de redéfinir la nature, on va être obligé de... Voilà. Et si ça se trouve, c'est Émile Alliot qui reviendra. Le pauvre que vous avez maltraité. Moi, il me donne plus la clique que pas la courbe. Voilà. Bien sûr. La faute a été expiée, il est devenu un symbole qui inspire au contraire des sentiments positifs. Et donc au milieu du calme, on évacue les sentiments négatifs et au milieu du calme, on crée une vie. Puis ensuite, nous terminerons par une pièce instrumentale sur une danse qui s'appelle la Hakala, qui est l'ancêtre du fandango, sur lesquels des compositeurs, comme Sébastien Doulon, par exemple, ont composé des pièces sacrées mais non liturgiques et qui s'appellent Vaya pues Ronquen de l'Aïe. Je ferai remarquer que sur un instrument ancien, les cordes sont en partie naturelles, en boyau, et qu'elles sont vivantes. Elles réagissent plus. Et donc, il faut les rappeler un peu alors.
avec Christian Père dans un rendez-vous de la Fondation sur la santé et l'art. Et nous retrouverons aussi Louis Omnes, qui était là la semaine dernière, dans un rendez-vous de la Fondation aussi à la rentrée, pour son livre « Concevoir et construire un hôpital numérique ». Très intéressant, son intervention de la semaine dernière. Voilà, tout se termine, tout a une fin. Je vous remercie tous d'être venus. Ces trois tables rondes seront sur YouTube dans quelques semaines, parce qu'on a déjà monté la première, pour monter les deux prochaines. Et bien sûr, il y aura aussi les tables musicales. On se retrouve pour le festival.